Ben voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pardon, mais ma caméra est correcte par rapport à hier. Là, j'ai remis en place tout doucement ce matin vers 8h. Bon, bah, ben, comme promis, hein, du rallye, j'ai envie de faire de la route avec vous. Voilà, une petite matinée tranquille. Besoin de me détendre encore. Mais encore merci pour ceux qui étaient là hier sur Duke Nukem 3D. C'était sans ça, c'était génial. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Là, 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 là. Je regarde 2-3 petits paramètres, hein, pardon. Tac, 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 ouais, bon. que dire, que faire? Non, je fais déjà des âneries, moi, en fait. Il va falloir que je mette le jeu. Voilà. Ouais, c'est pas plus mal. On verra pour le... Hop là, ça je la baisse et hop. Ça je le mets en gros plan. Ouais, c'est bien. Alors... il a pas retrouvé ma partie? Ah non, j'ai peut-être appuyé bêtement sans le savoir sur... ouais. Charger une partie sauvegardée. Ouais, tu m'étonnes. Hein? Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Ouais, tu vas te préparer pour le taf. Encore merci à toi, hein, d'avoir été là hier soir, c'était fort sympa. Et que dire, je ne sais plus. Bah, bonne matinée à toi, hein, bon courage. Je sais pas à quelle heure tu vas devoir partir au taf. Ah là là. Là, je suis en train de me faire peur. Je suis en train de... Normalement, il m'avait sauvegardé ma progression dans le rallye. À moins que j'aille dedans et se souvienne de où j'en étais. Bienvenue sur l'un des sports automobiles de compétition le plus exigeant et stimulant de la planète, le championnat du monde des rallyes. Choisissez les meilleurs pilotes du monde. Non, il est amnésique, il se souvient plus de ma partie. Merde, mais ça faisait des sauvegardes, c'est quoi ce délire? Ah, d'ici 2 heures, ok. Ouais, je comprends que t'es pas en vie. Ouais, dur. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il me disait qu'il sauvegardait et puis il a pas... Ben, j'ai rien contre à recommencer depuis le début, mais c'est un peu nunuche. Pour le coup, j'ai changé de voiture. Bienvenue sur l'un des sports automobiles de compétition le plus exigeant et stimulant de la planète, le championnat du monde des rallyes. Choisissez les meilleurs pilotes du monde. Ajoutez-y les voitures les plus incroyables. Sur un lit de tarmac, gravier et boue, ne vous souciez pas de la ligne d'arrivée. Votre plus grand rival en course WRC est le temps. Chaque rallye est divisé en épreuves spéciales avec des points au meilleur temps chronométré sur l'ensemble de la course. Les voitures portent le même nom que leur famille de moteurs. Mais sous le capot se cachent des bolides conçus pour les rallyes sur 4 roues motrices avec des turbos gonflés et des chevaux par dizaine. Et c'est bien le minimum pour aborder toutes les facettes du championnat, entre les grands points des forêts scandinaves et la poussière, sous la chaleur écrasante du Kenya et de la Corse. En WRC, la question n'est pas de gagner, mais de survivre. Novice, novice. Pas fou, pas fou. Allez, je roule français. Histoire de se faire peur. Roulons français. Cocorico. Il y a peu de rallyes aussi prestigieux et glamour que celui de Monte Carlo, et c'est ici que le championnat du monde des rallyes commence. Il commence à Monaco, puis prend la direction du nord sur des routes alpines avant de redescendre sur la principauté. Il se déroule entièrement sur asphalte, mais la neige et le verglas réservent toujours des surprises.
plus vieille course dans le calendrier du championnat, c'est celle que toutes les meilleures équipes veulent remporter. Ah, il y a de belles images d'archives. Alors, normalement, il suggère par défaut la config idéale, donc j'ai même plus de questions à me poser. Non, j'ai carrément commencé la course, je suis fou, je fais même pas les essais. Chacune leur comportement, les cultures, la Peugeot, je l'aime pas. Dans 5, droite. J'ai pas le laisse que j'avais avec la Subaru. Dans épingle gauche. Voilà. Dans 3, droite. Yop, cher cousin, j'espère que tu vas bien. Là. Dans 2, gauche. Sur crête. Dans 3, gauche. Serré, dans 5, gauche, et 5, droite, 50, 2, droite, 150, 3, gauche, 50, 3, droite, 50, 3, gauche, dans 3, droite, et 2, gauche, 50, épingle droite. Je sens épingle gauche. Ah, c'est arrivé un malheur. Dans long 4, droite. Arrivé. Bon, la Peugeot, je l'aime pas. Je vais essayer la Citroën Saxo. Oh bah, j'ai tout dans le rouge. Ah non, sérieusement, la Peugeot, j'arrive pas à m'y faire. Je vais relancer un championnat, mais je vais prendre la... Attends, voir qui mémorise mon pseudo. En tout cas, bonne matinée à toi, cousin. Bon courage. Ouais, il est déjà 9h15, pas possible. Alors, hop. Hop. Alors là, cette fois-ci, je passe à cinématique. Bienvenue sur l'un des sports automobiles. Voilà, je t'en prie. Novice. Alors, on va prendre la Saxo. Ouais. Oui, merci. Oh oui, c'est un régal. Oui, bah j'incarne les... Ou alors, attends, au lieu d'incarner les Français, je vais peut-être... Parce que moi, je le verrai dans le score. J'ai incarné les Espagnols, et hop. C'est peut-être plus rigolo de se voir entre Français dans le championnat mondial. Oui, la Xara, oui, j'ai du nannerie.
Je suis plus à sa près. Hein. Aïe aïe aïe. Touk. Oh mon dieu, je vois des choses, je vois des choses. Ouais, elle existe en version rallye. Oh, je sais plus. 1, ah, vas-y. Par contre, j'aime beaucoup l'affichage digital en rouge de l'aide. 50, 3 droite. J'adore ça. Dans long, 4 gauche. Ah, je me sens déjà mieux avec la... 50, 2 droite. 50, 3 droite. On dirait une petite 50, 4 gauche. Ça me plaît bien. Elle me rappellera plus que la remise plus haut. Et 2 droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. Dans 5, gauche. Dans long, 4, droite. 50, 4, gauche. Dans 4, droite. 50, 3, gauche. 50, 3, droite. 100, 5, droite. 100, épingle gauche. 100, 3 droite. 100, 2 gauche. Sur crête. 100, 3 gauche, serré. 100, 5 gauche. Et 5 droite. 50, 2 droite. 150, 3 gauche. 50, 3 droite. 50, 3 à gauche, dans 3 droite et 2 gauche, 50, épingle droite, 200, épingle gauche. Non, je suis pas resté au moment appuyé sur la touche, même si j'ai monté plus proche. J'ai fait par accident, on va pas me patiner. Dans long, 4, droite. Arrivé. Ah ben voilà, ça c'est maîtrisé. Peut-être qu'un jour j'aurai une étape tout en vert. Je ne sais pas. Espoir. 3, 2, 1, vas-y. 50, 3, droite. 50, 2 droite. Je viens de réagir au nom du pilote, Jesus. Il est revenu. Je sais pas s'il fera des miracles, mais il est revenu. Ah là là. Oh, 5, gauche. Dans long, 4, droite. C'est vachement bien. Je sais même plus de quelle année date le jeu. Au début des années 2000, voilà. Oh là là. C'est beau. Je vous allez m'entendre exclamer pendant 4 heures d'affilée. C'est beau. Dans 2 gauche. La filette s'est arrêtée sur le bord de la piscine. Oh, il est muré en parpaing, là, en pierre sèche sur ce côté. Ça, c'est ma hantise au rallye course. Et encore, il faut se dire que le jeu là est plutôt gentil avec le rallye Monte Carlo. C'est pas trop sinueux, c'est pas trop en...
en lacet. Je sais plus, je pense que c'est pas Verali. Un cauchemar. Je fais les auto-tamponneuses, j'arrive pas à passer une succession de 3-4 virages sans taper. Et taper violemment. Dans long 4, droite. C'est très exigeant. Mais là, je trouve qu'ils ont été gentillets dans la mobilisation des étapes. Comment que le pilote s'est mis à piler à l'arrivée, j'adore. Trop bien. Ah. En fait, ce qu'ils sauvegardaient, c'est juste sauvegarder les chronos. Ils sauvegardaient pas la progression, c'est con quand même. Faudra que je pense à faire avant de quitter tout à l'heure, sauvegarder la partie. Chose que j'ai pas faite la dernière fois. Alors là, ouais, là le tracé il est très. Très technique, on va dire. Épingle droite, sur crête. Dans long 4 gauche. Et 3 droite. 50, 3 droite. Dans très long 4 gauche. Serré. 50, 2 droite. Dans 2 gauche et 3 droite sur crête. Dans 4 droite et 5 gauche. 50, long 4 droite serré. Dans 5 droite, 50, attention. Dans épingle droite. 50, 3 gauche. 100, épingle gauche. 50, épingle droite. Dans 3 à gauche. 50, 3 à gauche. Dans 3 à droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. Et 5 gauche. 50, 3 à gauche. Dans 4 gauche, 50, 5 gauche, dans 4 droite, 50, 5 gauche, dans épingle droite, et long 5 gauche, dans long 4 droite serré. Cinquante, 4 droite. 50, ça sur crête. Ça grimpe. 50, de gauche. 100, 3 droite. 3 arrivé. Ouais, la bizarre était celle de l'offre. Oh, mais... Ah! J'ai toujours pas eu de 100% vert à une étape de le chrono. 3, 2, 1. Je ne dis pas. Vas-y! Épingle droite, sur crête.
dans long, 4 gauche. Et parfois je me fais peur, je me surprends par l'hélicoptère. Enfin les hélicoptères, ça, ils sont plusieurs en plus. Cinq gauche, 50, long, 2 droite et 5 gauche. 50, 3 gauche. Dans 4 gauche. C'est bizarre, ça me donne le sentiment qu'il y a davantage de plans de caméra à l'intérieur du cockpit que ma session de jeu de la semaine dernière avec la Subaru. Je crois savoir que c'est au hasard en fait. À moins que ce soit ce qui est défini à l'avance, là où tu passes, tu peux passer. 50, sur crête. Non, j'avais pas autant de 50, de gauche. Je m'en souviens pas, c'est bizarre. Voilà l'arrivée. Comment j'ai dû faire dégommer le panneau à l'arrivée. Oh mon dieu. Allélélélé. Alors... Carlos Sainz, ça va. Alors ça peut être trompeur, mais la... l'épreuve semble pas spécialement difficile. Quand on lit juste la carte. Qu'est-ce que je... Oui, je vois des... un beau pseudo en particulier là, parmi les connectés. Mes salutations aux anonymes. Hein. Je ne vous oublie pas. Vas-y. C'est parti. 50, long, 3 à gauche. Sur crête, 50, 2 droite. Wow, c'est une descente de... 50, 3 à gauche. Le flanc de montagne, j'ai l'impression. Dans long, 3 droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. Dans 2 gauche. Dans 3 à gauche et 3 à droite. Dans 3 à gauche. Pas facile. 50, 2 droite. Dans long, 4 gauche. 50, 4 gauche. Dans long, épingle droite. 50, 4 gauche. Dans 3 droite. Et 4 gauche. 50, 5 gauche. 50, 4 droite. 50, 3 droite. 50, long, 4 gauche. Dans 4 droite. Les spectateurs sur le bord de la route. Là, franchement, clairement, 150, 3 à gauche.
en sortie de virage. Non, long, trois droites. Le truc qui se revoit. En général, dans les étapes de rallye, selon les normes de la FIA, c'est-à-dire la Fédération Arrivé. Avant le lancement de la compétition le jour même, vous avez deux voire trois voitures spéciales réservées aux inspecteurs, trois, aux commissaires de course, deux, qui gèrent un, justement la sécurité et le bon déroulement de l'événement. 50, ils long, ont 3 chacun à gauche. Une voiture qui sont équipées 0, double 0 et triple 0. Et c'est les premiers à passer sur la section de route privatisée même, à vérifier si déjà il n'y a pas des éléments de décor qui sont barrés, que ce soit des éléments artificiels comme des rambardes, des pancartes ou naturels comme un éboulement, et surtout le comportement et le positionnement du public. Dans 3 à gauche, sur place, et 3 à droite. Dans 3 à gauche, ne pas être là, un peu comme une scène de crime avec un bandeau, ne pas entrer dans cet espace. Et 50, 4 gauche. Et c'est seulement au passage du dernier inspecteur avec la voiture de zéro, normalement, que tout le monde est bien casé et que personne n'est censé bouger. Tout le top départ de l'épreuve va être pensé. 4 gauche, 50, 5 gauche. Mais bon, il y a toujours des Ulu Berlus, c'est un peu comme le Tour de France en fait. Il peut y avoir des Ulu Berlus qui respectent pas les consignes et puis c'est pas grave quoi. Bonjour Zexé Citron, j'espère que tu vas bien. Ah, je suis ravi de t'accueillir de bon matin. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour renarrer mes aventures par rapport au jeu. Donc, la semaine dernière, vous voyez faire le championnat avec la Subaru Impreza. Et là, je recommence avec la Citroën. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ça n'avait pas sauvegardé ma progression. Quand je voyais régulièrement à chaque fin d'étape la sauvegarde, c'était la sauvegarde de mon chrono, mais pas de ma progression. Donc, j'ai tout perdu, à part les chronos. Donc je recommence carrément le championnat, mais avec une autre culture. Oh, ça fait durer le plaisir. Ça fait durer le plaisir. Maintenant, je sais, je connais l'erreur à pas commettre. Mm-hmm. Ouh, 6-4. C'est marrant, dans le tracé, là, cette fois-ci, j'aurais cru qu'elle était vachement longue, mais ça va. La plus longue pour l'angle que j'ai vu, c'est en Suède, elle fait 12 bornes, je crois. Elle fait 11,9 km, l'épreuve. Mais la Suède, c'est après, si j'ai pas d'annerie. Ah, ouais. Ouais, ça t'a plu hier, Duke Nukem. Ouais, bah j'en suis ravi. Ouais, l'ex-écho, oh là là. Quand Duke Nukem est mort et le boss avec la vue de mort, c'était terrible. Je crois que FunFan me l'a clippé. S'il me l'a pas fait, je le ferai moi aisément parce que ça vaut le coup de. Ça aille dans la compilation des meilleurs moments. Ouais, ouais, la scène d'action était terrible. Alors, petite précision pour Romanus Caiutus qui est mon cousin. Il est sur son lieu de travail. Donc ne vous enfoncez pas s'il vous répond pas. C'est nullement du mépris de sa part. Trois, c'est juste qu'il est occupé. 2, 1, vas-y! 50, 4 gauche. Je préfère prendre les devants pour pas qu'il y ait un froid sur le chat de la chaîne. Dans long, 4, droite. 50, sur prête. 100, 5, droite. 50, long, épingle gauche. Bah oui, ça évite les malaises. 50, sur prête. Dans long, 4, droite. 50, épingle gauche. Sur crête. Dans épingle droite. Ah, je la voyais pas. Ne prends pas de raccourci. 50, droit à gauche. 50, sur crête. Dans long, 4 gauche. Dans épingle droite. Dans épingle gauche. Et épingle droite. 50, épingle gauche. 50, sur crête. Dans 5, droite. 50, sur crête. 50, 2, droite.
150, de gauche. Ça me rend fou quand j'entends le copilote dire de 200, droite, de gauche, de droite. De la politique. Alors que c'est le rapport de dans la 4 gauche. De... Et 4 droite. 50, de gauche. 150, 3 droite. 50, 4 droite. Dans 4 gauche. Dans 5 droite. Hop, 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 hop. 50, 4 gauche. 100, long, épingle droite. Hop. 50, 5 gauche. 100, épingle droite. J'ai fait me prendre de face la rambarde. Dans épingle gauche. Dans épingle droite. 50, très long, 4 gauche. Voilà. 50, attention, 5 droite. Dans long, 4 gauche. 50, 4 droite. Dans épingle gauche. Dans 5 droite. Et 5 gauche. Alors 50, 3 gauche. Dans long, épingle droite. Mais le jeu doit être vachement oppressant en difficulté. Et long, 4 gauche. Ils partent vraiment rien. Je pense que c'est jamais arrivé à réserver quand t'as la chance d'avoir le volant pédalier. Ah, je suis pas arrivé premier de l'épreuve là. Deuxième. J'ai perdu un peu de temps. Oh, pas tant que ça. Bon, la fin, j'ai été brouillon, d'accord. On sent la fatigue. 3, 2, 1, vas-y! Oui, j'ai beaucoup de retours comme quoi il est vachement bien le Forza Horizon 5, le cinquième en plus. 50, long, j'ai épingle pas regardé gauche. L'intro, mais il paraît que l'introduction en jette, j'avais vu ça dans l'histoire de chez lui, avec justement le témoignage de Christella. Et oui, j'aime bien les jeux de bagnole en général, mais c'est quoi la Forza? Oui, c'est Microsoft Xbox. Donc. Je dis soupir parce que je me vois pas faire l'acquisition du tout d'une Xbox prochainement, c'est pas du tout dans mes. J'ai plein de trucs à faire avant, loisir. Mais ah, cousin, tu confirmes aussi, c'est bien, c'est que t'as eu apparemment tout à fait ton expérience dessus aussi. Ah, merci pour l'info. T'envoies option. Comment dire, j'ai une case pour les effets et deux pour le copilote. Donc il va falloir que je fasse ça dans la captation. Ça va s'arranger, attendez. Ah, j'ai pas l'air idiot, attendez. Alors j'ai toujours peur, comme c'est Streamlabs, dès que je quitte mon plein écran, de faire cracher. Si ça crache, je reviens très vite. 50, sur crête, dans 5, droite. Ouais, au niveau du son, là. Okay. Même faire un essai, délibérément, pardon. Je vais m'amuser à balancer mon générique de fin. Je l'ai jamais testé. Je vais le tester hier. Apparemment, il se lance pas de lui-même. J'en reviens sur la scène de bombardage. Pourquoi, je sais pas. 150, alors, 3 droite. Je prends une touche pour le démarrer. Chose que je peux pas faire. Bref. 50, 4. Le son à la captation. Dans 4 gauche. Je peux tricher. Ah, je crois que c'est comme ça. Je baisse d'environ 7 décibels et normalement c'est bon. Bon, après vous me direz si c'est bien ou pas bien, mais Il
Ouais, c'est peut-être mieux. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Là. Tant pis, je me réduis un peu ma fenêtre de jeu, mais... Ouais, nickel, ça se fait largement. Bon, bah c'est cool, merci à vous deux. Du coup, je sais plus ce que je disais. Avant la remarque sur le son, blablabla. Oui, Forza 5. Oui, la Xbox. La Xbox, j'en ferai peut-être acquisition d'occasion. J'avais dit pour la célèbre saga de cowboy, la Far West, Red Dead Redemption. Et... Ouais, merci Zex pour le rappel. Et donc, j'exclus pas qu'un jour je fasse ça, on verra. Mais d'ici là, il y aura des mois qui vont défiler. Je vous aurais fait d'autres jeux, pas mal de trucs. Mais oui, peut-être que je le ferai. De toute façon, j'ai pour philosophie de vie de dire ne jamais prendre l'expression fontaine, je boirai pas de ton eau. Je sais que dans la vie, il faut se méfier, tout peut arriver. Donc, voilà. Pourquoi pas, ouais. Moi, ma crainte, en fait, j'ai une appréhension par rapport à la Xbox. C'est que mon neveu a la chance d'en avoir une. Je sais plus laquelle. La 360, la dernière X, je sais pas quoi, je sais pas. Mais j'arrive pas à m'y faire la manette. Je suis vachement PlayStation. Hein. Je suis vraiment habitué à celle-là, moi. Ou surtout la 3. Je m'achète en fait quand j'ai. Alors là, j'ai la collection, je le confesse. Des manettes hybrides PC-PS3. Je dois en avoir 4-5 modèles différents. J'adore ça. J'adore ces manettes-là. Donc, l'idée de me reconvertir à la Xbox, ça m'a. J'en ai fait l'expérience encore il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être un peu plus d'un an maintenant. La série des chroniques sombres, là, The Dark Side Chronicles, vous savez, Ultimate Down, Little Hope, bah, c'était Little Hope que mon neveu m'avait fait essayer. Là, récemment, il y a le. Mince, j'ai oublié le nom du dernier opus sorti. Bref, je pense que vous m'aurez compris. Et la manette de la Xbox, j'ai vraiment du mal. À prendre en main, à jouer, c'est une réadaptation, faut que je fasse la gymnastique au niveau du cerveau. 3, 2, 1, vas-y! Alors, je démarre mon épreuve, je te lirai après, mon cher Zex au citron. Au prochain ralenti. 50, 3 à gauche, sur crête. 50, épingle droite. Waouh, c'est vertigineux. Ça me met mal à l'aise. Ah, cette peur du vide. Le dénivelé de ma boule. 3 à gauche. 50. Attention. Dans épingle droite. Dans épingle gauche. Oh, c'est le genre d'étape, tu te dis, mais sérieux, il n'y a pas plusieurs morts chaque année. Dans 4 gauche. De gauche. Dans 3 à gauche. Sur crête. 50. Long. Épingle droite. Ah, quoi, couette. Je vois pas le bien en épingle. Allez, là. Ah, j'ai roulé sur une bosse. 50. Très long. 4 neige. Gauche. Ça m'a fait perdre mon adhérence. Ça a cassé mon freinage. 50. 4. Droite. Dans long 4 gauche. 50, long 4 droite. J'ai une idée de Jimmy Rockway en tête. Ne me demandez pas pourquoi. 50, très long, épingle droite. 50, 4 gauche. 50, très long, 3 droite. Aouh! Ah, bobo au dos. J'avais une vertèbre long, qui est... Mais aussi, je suis pas si correctement dans mon siège. Je vais me redresser pour la prochaine course. Droite. Dans oh droite. J'ai failli me manger le poteau. Oh là là. 50, oh la grimpette, t'as intérêt à avoir une bonne motorisation. Dans
4 gauche. 50, 3 droite. Dans 4 droite. 50, 3 gauche. Dans épingle droite. 100, long, 3 gauche. 50, sur crête. J'ai regardé mon compte de braquage avec la tuture. 50, 4, droite. Oh, l'arrivée doit pas être loin. Long, 4, gauche. Ah non, je suis encore à une étape intermédiaire. 3, gauche. 50, épingle droite. Ah, 50, 5, droite, gauche. Arrivée, non. Ah non, il y a encore de la longue la... épingle droite. Hop, 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 hop. 50, 4 gauche. Dans 2 droite. 50, long, épingle droite. Et d'ailleurs, je vous donne un petit détail technique. On dit Streamlabs crash, qui crash. J'ai remarqué que pour qu'il soit à peu près stable et qu'il dure environ 3 heures en continu, il ne faut pas que j'ai d'activer Discord, ni un navigateur internet, ni je sais plus quoi, qui bouffe de la ressource. Alors, pardon, je vais vous lire. 2, 1, qu'est-ce qu'elle m'a fait ma... Ah d'accord, oui, moi, j'avais un message privé. Alors pardon, mais les messages privés, je les lirai. Je les lirai tout à l'heure hors antenne, à la pause déjeuner. Alors, intéressant, la manette Xbox a une autre ergonomie, c'est vrai. J'ai longtemps joué sur PlayStation, mais je préfère la configuration Xbox. Ouais, bah chacun trouve son bonheur là où il le trouve. Alors, mais en réalité, je n'ai aucun souci à... Oh. Je vais me donner un coup de genou à ma perche pour le micro et la caméra. Attendez. J'étais en train de remonter délicatement mes chaussettes. Non, je suis bien là. Je suis bien. Dans 4 gauche. Ah, dans 2 gauche. Oui, gauche. Dans 3 gauche. Oui, merci pour la course. Ouais, elle est potable. Elle est potable. En réalité, j'ai aucun souci avec les différentes configurations Xbox, PlayStation, Nintendo. Tu me dis Nintendo, moi je me souviens de la Game Boy qui a été ma toute première console quand j'étais ado. 50, 4, droite. La version monochrome. Mais après, ouais. Je crois que j'ai jamais eu réellement de manette de NES ou de Super NES avec les mains. Je m'en souviens pas. Ouais, tout passe. Ouais. Je ris sur Nintendo parce qu'il change de config sur chaque console. Aïe aïe aïe. Dans 4. J'ai l'impression que l'étape là était plus longue que les autres. Oupla. Oh. Ah ouais, il y a des vues, c'est vertigineux. Dans 4, droite. Et. Ah ouais, magnifique. Le plan large était vachement stylé. Ouais, hein.
Toi aussi, tu trouves les effets de caméra pas mal, Jacques Citron. Et c'est le premier WRC, en fait, que je vous fais là, comme vous le voyez en haut. Si j'ai pas d'annerie, j'ai la chance d'avoir la trilogie sur la PS2. On sera le 2 et le 3. Ah, du rallye avec moi et tout ce qui est Paris-Dakar, vous allez en bouffer. J'adore. J'adore, j'adore. Allez, go. Continue le championnat. Alors, j'en suis où sur le rallye de Monte Carlo? D'accord. Donc, on va passer à la Scandinavie. T'avais le 2 sur la PS1? Ah ouais. Oui. 10 points, bah c'est bon ça pour le championnat du monde. Ah, on voit que je joue en facile. Hein. La Suède est certes le pays du soleil de minuit, mais les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20. C'est l'étape suivante du championnat du monde des rallyes. Les conditions dans les forêts scandinaves sont telles que les voitures doivent être équipées de pneus cloutés pour affronter les couches de neige et de verglas recouvrant les graviers. C'est le circuit le plus froid de tous, mais la compétition est toujours enflammée. Alors, il vient de se passer un truc intéressant au niveau de mon logiciel de chat là. Je viens d'avoir une purge automatique des comptes entre guillemets fictifs ou bizarroïdes. Et là, je vous vois bien tous en connecté, les vrais, j'ai envie de dire. Et merci à vous d'être là. Hein. Les phases de chargement étaient symbolisées par un battement de cœur, si je m'en souviens bien. Ah, classe. Classe, classe, classe. C'est bizarre, ça, de la part de Twitch. Une fois de balancer des comptes bidons. Mais je sais plus quelle session, c'était le week-end dernier. Vous étiez 3-4 spectateurs réels, comme maintenant. Et il me faisait un listing de 30 comptes connectés à ma chaîne. Mais c'était, en plus, c'était des comptes sûrement étrangers. Il y a des bugs dans Twitch, c'est trop bizarre. Ouais, l'adrénaline, ouais. Trois, deux, un, vas-y. Oh, bah alors, c'est quoi ce démarrage? 50, sur crête. Ouais, c'est la basculant en arrière, là. 50, sur crête. D'avoir desserré le frein à main. 50, long, 3 à gauche. 100, 3 à droite. 50, sur crête. 100, long, 4 à gauche. 50, sur crête. 100, 4 à gauche. 100, 4 à droite. Hop, 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 hop. 100, 2 à droite. 50, très long, 4 à gauche. Sur non. Oh, j'ai fini sur le toit de la maison. 50, sur crête. Dans très long, 3 droite. J'ai fini sur le toit de la maisonnée. 50, deux gauche. Un commissaire de course, il est écrasé. Sur crête, dans 3 droite. Et 4 gauche. Dans 3 droite. 50, attention, donc 50, long, 4 gauche. Je ne prends pas pleine charge pour le puissance le saut parce que. Bonjour à la réception, surtout si la trajectoire est pas bonne. Arrivé. Ça va. Une introduction sympatoche à la Scandinavie. Deux, un, vas-y. Là, il m'a remis des comptes bizarres.
sur crête. Les bizarreries de Twitch. 50, long, 3 à gauche. Quel genre de bizarrerie, comme il y a eu le piratage et le 100, fait d'avoir 3. Balancé le code source de Twitch. Tous ceux qui aiment chercher, qui sont chasseurs de bugs dans les programmes, dans les codes informatiques, je serais curieux de savoir si il y a moyen d'expliquer le, pourquoi il y a ces comptes. J'ai envie d'appeler ça des comptes fantômes en fait. Parce que par exemple, la joie qui m'annonce un Zach Zipa 06, c'est bizarre. Et il a disparu tout à l'heure, là il est revenu. Ouais, la faute. Ah, là, 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 là. Ah, c'est un bug. J'ai envie de dire si avec ça. Non, mon plus gros souci c'est l'inconstance de Streamlabs. Qui est vachement bien pour les effets spéciaux. Là, rien que le coup des icônes, c'est marrant. D'ailleurs, je peux faire un test très bidon. J'ai un petit pote qui balance plein de visages, voilà. Ça, il y a une tonne de visages célèbres de Twitch. Là, par contre, il me l'a pas remis dans la chute des. Il me l'a juste mis en gros. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, ça fonctionne. Je vais sauvegarder la partie déjà. Je vais prendre le réflexe de. Hop. Ouais, bah, championnat en cours. Voilà. Championnat 1. Je vois pas comment je peux mieux nommer ça. Hop, on continue. Tu peux avoir un compte Streamlabs, utiliser leur fonctionnalité et les paramétrer dans OBS qui est plus stable. J'y ai pensé, figure-toi. J'étais en train de me dire, faut que je récupère les adresses internet des effets spéciaux là. Ce qu'on appelle techniquement URL. Et les implémenter, ouais, effectivement, dans OBS. C'est quand même dingue de devoir aller piocher les trucs avec. J'ai envie de dire une pince à épiler dans le détail les fonctionnalités de Streamlabs chez eux pour les greffer à ton OBS qui est plus sain de. Ouais, je vais sûrement aller dans ce sens-là, Zach the Citron. Je vais m'attarder à faire ça la semaine prochaine. Donc là, pour ce qui est de ce week-end, je diffuse maximum jusqu'à 13h, là, aujourd'hui. Par contre, le week-end prochain, je prévois de diffuser le samedi, dimanche. En gros, je devrais faire le samedi après-midi. Le samedi soir, je retrouve mon ami Fan pour le samedi commenté. Et on se fera normalement The Nomad Sound. 3, et le dimanche, pressurement le matin et l'après-midi. 50, devant. D'ici là, j'aurai encore 250, bossé pas mal de petits trucs dans 5, la coulisse. 3. Là, cette semaine, ce que j'ai changé, bah, c'est presque le plus visible. Au moins, il y a des événements qui est relais de chaîne, etc. La fidélisation avec les followers. J'ai programmé les scènes et les 50, scènes. 5, gauche. Donc c'est bien, ça vous avait plu hier soir quand certaines avaient 50, été déclenchées. Encore merci à l'ami Bambastos qui m'a créé son relais de chaîne. Ça a permis de tester la. 50, sur la l'événement. Je vais devant. Aussi peaufiner 200, mon habillage 5, graphique gauche. Et faire des scènes spéciales en fait la semaine prochaine. 50, dont la scène pour le jeu dont je vous parle depuis un bon bout de temps, le tableau mystère qu'on inaugurera le 1er janvier prochain. 150, je suis sorti de ma phase bêta. 3. Gauche.
faudrait que je teste aussi 50, dans long 5 hop, hop, voilà, les fonctionnalités. Oula, avancer de Westbot, surtout avec les aides, le jeu Project Zomboïd. Vous aurez la possibilité de lancer des commandes dans le chat pour interagir dans mon jeu. Vous allez pouvoir me compliquer la vie, ce qui peut être très drôle. Je le ferai sûrement en fonction de, d'un certain nombre de points de chaîne. Que vous ne soyez pas non plus frénétique à me courir la partie. Merde, je suis dans le... Je suis dans le fossé. Ça c'est déjà, j'ai envie de dire, le plus technique que peut proposer Wisebot, mais le temps de configurer le paramétrage, ça va me prendre un petit moment. Mais il faudra aussi qu'on se fasse une session spéciale pour tester. Et encore après, plus tard, mais là c'est carrément de l'ingénierie, je sais pas si j'aurai le niveau, si je vais réussir, c'est de pouvoir programmer les interactions entre 3, Twitch 2, et Minecraft 1, sur mon serveur. Vas-y. Il existe un programme additionnel qu'on peut greffer à son compte 250, Twitch long, pour ça, 5, 3, mais l'auteur se prend une part de tout ce qui est dons, bits, machin. Moi j'ai envie de faire un truc similaire, déjà avec une interface différente à la sienne, avec éventuellement plus de fonctionnalités et gratos. 50, moi je suis pour le monde 5, du libre. Pas pour faire payer quoi que ce soit. Bonjour Twinsen, pardon, j'avais pas vu ton arrivée. J'ai la gorge sèche, je vais boire et je vais vous lire en même temps. Oui, bien sûr, je vais faire la vise RTL aussi. Non, il y a pas 1000 euros à gagner si on devine qui se cache derrière le tableau mystère. Non, en fait, la récompense qui est toute bête, le tableau mystère, ça va être des points de chaîne. 150, enfin, la monnaie de chaîne, 5, si vous préférez. Qui est virtuelle, je le rappelle, c'est pas de l'argent de réel, heureusement. Et voilà, ça vous permettra de faire mieux, bien sûr. Mille francs CFA, ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, ce qui est terrible, en parlant de la valise RTL, là, que je balance comme ça, ce qui est terrible pour l'animateur qui est à l'antenne, c'est... Je crois que c'est une des dernières valises RTL que j'avais écoutées. C'est quand vous avez un auditeur qui est dans le besoin, c'est horrible, et qui fait clairement afficher sa déception à pas toucher même un lot de consolation, alors que, voilà, c'est le scénario du travailleur pauvre, malheureusement. Ça fait mal au trip et j'aimerais pas être à la place de l'animateur en disant bah non, c'est les règles, je peux rien vous donner. Un peu dur. Et encore, à une époque, je sais pas s'ils le font encore, à une époque, ils distribuaient à tour de bras la fameuse montre RTL. Enfin bref. Ah, oh, 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 l'arrivée arrivée en dérapage sur la glace. Ouais, c'est toujours le cas pour la montre RTL, Twinsen. Ouais, merci pour l'info. Voilà, c'est la fameuse épreuve qui dure... J'avais dit 11 km 9, mais non, c'est 11 km 7. Alors là, la Suède, on va la visiter, là, les copains. Là, on va voir du pays, là, je vous le dis. L'épreuve là, à mon avis, elle se trace en au moins 5 minutes. Concentration. Oui, alors Twinset, je me permets de t'interpeller tant que je te vois en direct sur mon canal. J'ai vu que tu m'as envoyé, je vois sur ma tablette, que tu m'as envoyé un message privé en Discord. Évidemment, je te lirai après mon direct. Et je me ferai une joie de te répondre, le cas échéant. Mais je garde toujours un petit œil sur mon Discord, on sait jamais. Là, c'est surtout le réflexe à avoir quand vous avez la chance d'avoir une modération.
et que éventuellement dans l'urgence ils peuvent vous balancer un message en privé pour régler un problème 3, urgent et important. 2, 1, vas-y. Alors, la grande épreuve. 50, 4, droite, dans 5, gauche. 50, 2, droite, sur crête. Dans long, 4, droite. 200, 1, gauche, sur crête. De gauche, dans 3 droite et 2 gauche sur crête. Ah. Dans 5 gauche. Weissbot faire son bavard. 150, 2 droite. Dans 2 gauche sur crête. Ah. 50, Weissbot très long, 3 gauche. Les points fidélité. Serré. Hop hop la pop, oui alors là oui il finit très serré le virage. 50, 4, droite. On croirait presque au grand prix dans de Formule 1 de 4, Chine. Où c'est quasiment en spirale. 50, épingle droite. Le virage interminable. 50, 3 à gauche. 100, long, 4 gauche. 100, épingle droite, sur crête. 50, 2 droite. Dans 2 gauche, 50, attention, tour devant. 50, épingle droite. 50, sur crête. Oh. Wow. Dans 4 gauche. Dans 2 droite, 50, 2 droite, dans 4 gauche, 100, 5 gauche, 50, long, 4 gauche, sur crête, dans 3 droite, 100, 2 gauche, sur crête, dans 5 droite, et 1 gauche. 50, 5, droite, sur crête. 50, attention, tour devant. 50, épingle gauche. 100, 2, droite, attention, tour devant. Oh là là. Mais vous remarquerez que je suis totalement concentré. Attention, sur crête. Dans 5, droite. 50, tour devant. 50, long, 3 à gauche. 50, sur crête. D'ailleurs, je serais probablement muet comme une carpe si je devais me concentrer en mode difficile. 50, attention, tour là, devant. Ça, la portion est gentille. 100, attention, les tour devant. Toujours flippé. 50, 5, gauche. Surtout qu'on voit pas le point de chute. À cause du dans dévelé. 5, droite. Le gars qui arrive à prendre ce virage là, on fera un mal, il part riche. 50, 5, droite. Dans long, 4, droite. Et 4, gauche. 200, 2, gauche. 50, sur crête. 50, 4 gauche. Dans long, épingle droite. 5 gauche. 50, 2 droite. Dans 2 gauche. 50, sur crête. Bah, les notes du copilote, tu les vois en haut de l'écran. En fait. Mais j'essaye parfois à l'oreille de mémoriser ce qu'il dit, de prendre
temps. Le troisième rapport pour la prochaine à gauche. Sur crête. Etc. Pas toujours, j'avoue, mais. En fait, je prends surtout une question sonore quand j'arrive pas à me projeter dans la suite de la piste et qu'il y a des dénivelés complètement patraques. C'est une information qui est non négligeable, quoi. Ouh. Ouais, c'était 3, peut-être 2, l'épreuve la plus 1. Longue du jeu, en fait. Vas-y. Non, de gauche. Il y a possiblement l'Afrique du Sud, avec ses grandes étendues sauvages, qui pourrait proposer une étape tout aussi longue de plus de 10 bornes. Il s'est passé un truc. De droite, sur crête. J'ai été masqué. Je suis complètement masqué par mon alerte. Mon alerte qui ne se barre pas de l'écran. Barre-toi l'alerte. Tu me masques. Bon, bonjour Cyber Jojo. Je suis ravi de te voir. J'espère que tu vas bien. Oh là là, c'est la folie. Et voilà, sabotage. L'alerte ne se barre pas. Bah alors, les alertes, elles sont censées durer graphiquement que 30 secondes. Pas squatter mon écran. Ah, ça y est, c'est barré. Alors ça, il faudra que je corrige. Il faudra que je me... Ah, j'ai pas pris de crayon. J'ai pris le papier, mais... Ah si, j'ai un crayon de feutre. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Je me le note, hein. Pardon, je prends mes notes pour corriger les bugs de la chaîne. Je vais vous expliquer. Voilà, je viens de me le noter. En fait, là, c'est l'alerte le cœur, c'est l'alerte Streamlabs. Et avant, vous avez vu l'alerte. Je viens de comprendre un truc. L'alerte Wisebot qui a fait le. Qui m'a masqué ma vue caméra. Épingle droite. Je viens de me rendre compte que, alors, les intitulés sont traits quand ils sont traduits en français du côté de Streamlabs, parce qu'on a vu le texte apparaître à la toute dernière seconde. Et en fait, je pensais que c'était la durée d'affichage du texte que j'avais mis sur 30 secondes comme l'apparition du message. Non, c'est pas la durée du texte, c'est la durée de quand doit, à quel moment doit arriver le texte. Donc là, je dis bien à toute fin, ça va pas. Donc, il faudra que je change ça dans la coulisse cet après-midi. Ah. La traduction était foireuse. Moi, j'ai pas compris ça, en fait. Oui, je me suis fait entarter. Il y a un peu de ça. Ah là 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 là. 30 secondes, c'est trop long. Ça dépend comment tu gères ton annonce. Mais tu sais que... Tu ne sais, tu sauras qu'il y a un système d'annonce. Je sais plus, honnêtement, si c'est Streamlabs ou si c'est Wisebot. Il te propose de laisser carrément pendant 3 minutes l'alerte qu'il y a l'événement follow ou je sais pas quoi. Ouais, demander à FunFan de traduire, ouais. La manière dont il traduit l'anglais, c'est très hasardeux, ouais. C'est vrai qu'hier, on a bien rigolé sur son Rise of the Triad. Ah là là là. Donc au programme, mon cher Cyber Jojo, j'ai plaisir à t'accueillir sur mon canal. Donc comme tu peux le voir, je suis en phase bêta. Officiellement, je diffuserai le 1er janvier... C'est à cette tête-là que je devrais plus avoir de gros œuvres et qu'il ne devrait pas y avoir de bugs apparents. Et là, je suis encore en train d'apprendre, de me former aux différents outils de diffusion. Et là, on voit que mes alertes sont pas encore au point. Mais ça va venir, ça va venir. Voilà, ce matin, je reste à l'antenne jusqu'à 13h maximum. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'aime bien les jeux de culture. On fait des visites virtuelles en quelque sorte. Voilà, voilà. Oui, l'étape la plus longue, on est déjà à 4 minutes au niveau du chrono. Enfin, ouf, quelque chose comme ça. Je me demande si au traitement de l'image de ma webcam, je vais pas inverser horizontalement le signal. Ce qui ferait que je pourrais naturellement désigner quelque chose au doigt, ça correspondra à l'habillage de l'écran et je passe pas l'inverse à pointer vers le vide.
pour montrer que là c'est l'horloge par exemple. Ce sera plus naturel pour moi. Il faudra que je pense à faire une inversion de, horizontale de mon signal webcam. J'aurais pu faire la gymnastique dans le cerveau, à me dire mince, je pointe pas le bon truc. Surtout pour vous, ça changerait rien. Hein. Vous verrez toujours ma tronche au même endroit avec la même luminosité normalement. Je pense pas que ça demande davantage de puissance de calcul à l'ordi. Ah, oh, c'est peut-être un traitement de truc inversé, c'est rapide, ça demande pas de. Il y a des jeux sympas comme Revolt et Fun Tracks. Je connais les deux. Je connais les deux Fun Fan. Tunesend, pardon. Je crois que je peux même me vanter d'avoir les deux en version boîte. Ouais, Revolt et Fun Track, ouais, c'est rigolo. Ouais, peut-être que je les ferai, allez savoir, pourquoi pas. C'est pas à exclure. Ouais, c'est ça, c'est bien. Tu ressors les répliques de chez Franck. Ah, tu les connais bien. Ouais, ouais. De toute façon, de chez Oudrat, selon comment on est tourné, ça change tout. Alors, je sauvegarde ma progression, c'est pas comme samedi dernier. Ah, soupir. Alors, je... Oh, j'ai 30 secondes d'avance au championnat de Suède. Bah, comme disait le regretté Jean-Yves Lafesse, pourvu que ça dure. Il faisait comment? Il faisait avec le petit doigt, je crois. Pourvu que ça dure. Ah là là. Ah oui, le micro qui était emmitouflé dans un cache en forme de carotte. Ouais, ça m'étonne pas de lui. Eh oui, Jean-Yves Lafesse n'est plus depuis un petit moment. Hein. 3, 2, oh, ça doit faire 1 an qu'il a tiré sa révérence, je crois. Ça fait déjà un paquet de mois hein, que son décès avait été annoncé. Attention, dos devant. 50, sur 7. Alors, de mémoire, mon sketch favori de Jean-Yves Lafesse, 50, long, 4, 3, c'était. Il était donc 100, évidemment son caméra cachée en pleine rue. Il avait 50, engagé la conversation avec une dame 100, de grand 4, âge, pour dire une grand-mère. Et c'était une passionnée 100, des sagas, 5, des téléfilms. Interminable, bah, ça devait être les feux de l'amour de TF1. Et il demandait, il essayait de s'intéresser à la conversation et à l'œuvre. Il interrogeait donc la vieille dame sur oh, qu'est-ce qui se passe avec Cassandra, elle s'est remise avec Tony, machin et tout. 50, épingle gauche, 50, sur crête. Et passionné la grand-mère qui essaie d'expliquer à Jean-Yves Lafesse le scénario de la saison actuelle. Et il finit par sortir en fait un tableau sur trépied en pleine rue avec les gros marqueurs. Et puis il note avec les flèches les interactions entre les différents personnages. Alors un tel a divorcé une première fois, qui a eu un enfant avec un tel. C'était trop drôle ce sketch-là. Il m'avait fait, mais alors, éclater de rire. Et à la fin, ça finissait par être un énorme gribouillis sur une feuille énorme en pleine rue. Et la grand-mère qui n'arrêtait pas, hein, qui poursuivait son résumé de la fiction. Ce sketch-là, franchement, il est excellent. Oh, je pense que ça doit se retrouver sur Internet. Encore que Jean-Yves Lafesse était très, très pointilleux de... Il avait mené une guerre contre Pire tout Pire à l'époque et le piratage en partie de ses œuvres. Il avait été très incisif là-dessus, c'était tout à son droit, hein, son honneur évidemment. D'accord, attention, mais dans 4, il s'est peut-être battu un maximum pour pas se faire copier, pirater ses sketchs. Donc quand je dis que c'est peut-être accessible sur YouTube et Internet en général. Je m'avance peut-être un peu trop vite. Mais bon, c'est un sketch qui m'avait fait rire.
Ah oui, j'ai tout en vert. C'est la première fois que j'ai une étape intégralement en vert. Ah, oh, ça fait plaisir. Oh, génial. Tous les secteurs sont bons. Wouhou! Ah, ça fait 3, plaisir. 2, Ça m'était pas arrivé la 1, semaine dernière. Il vas-y! manquait toujours un secteur sur les 5. Ouais, j'arrive la fesse, Attention, ouais. Tour La devant. Meilleure des... Ouh, il a fait beaucoup d'heures cumuler tous ces sketchs. Je me demande si ça dure pas une journée complète. Ah, il a tiré sa révérence le 22 juillet dernier? Ah ouais, ça me semblait plus tardif. Merci, hein, Twinsen, d'avoir vérifié la nécrologie. Là, ça m'a donné le sentiment qu'il s'était éteint déjà quasiment il y a un an. Alors, avec tout le respect que j'ai pour le travail de la FES, le combat des droits est perdu avec Internet. Ouais. Ah, cool, je suis content. Ma première épreuve totalement dans le vert. Alors ça va quasiment m'assurer la victoire au championnat. Enfin, dessus, à du moins. Mais les épreuves de course sur glace, en général, j'arrive à faire des très bonnes performances. J'ai envie de vous dire, c'est presque... C'est pas pour me vanter, hein, mais c'est presque inné, c'est naturel. J'arrive vachement à tout ce qui est pilotage sur glace. On avait parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, du fameux trophée Andros, là, qui doit d'ailleurs se dérouler maintenant. Je pense qu'en vrai, je me demande quelle performance j'obtiendrai. Je devrais pas trop mal me démerder. 150, 4, 3. Enfin bon, on a le virtuel qui nous permet d'être peinard chez soi avec les copains. Ah, c'est cool. Pardon, je m'étire un Dans peu, hein. 4 C'est pas tours. comme si on était le matin. Attention, tour devant. Attention, tour devant. 5. Oui, j'allais dire, j'entends plus ma musique, mais on est en fin de titre. Tu me dis, il n'y a plus d'habillage sonore. Dans 5, droite, 50, épingle gauche, sur crête. Oh, ce saut. C'était pas mal la caméra de face. Yeah. Nickel. Voilà, du coup, j'ai juste regardé le championnat avec une telle victoire. Celle-là, faut pas que je la loupe. Ouais, sauvegarder partie en championnat 1. Hop, j'écrase. C'est dans la boîte. Allez, zo, on continue. 46 secondes d'avance. Ah, et c'est la dernière épreuve. Ouais, tranquillou. Nous sommes peinards, pépouze. Ah bah tiens, mon titre Congo Fury que vous entendez en arrière-plan. C'est le genre de titre qui serait de circonstance quand je serai dans les épreuves Afrique du Sud. Mais à mon avis, Afrique du Sud, on l'atteindra pas aujourd'hui. Pas pour 13 heures, j'y crois pas. Je pense qu'on s'arrêtera vers l'Espagne, je pense. Il y aura Portugal-Espagne, à mon avis, c'est à ce moment-là que j'enverrai l'antenne dans la succession des pays. De gauche. Serré. 50, 4 gauche. Dans 4, droite. Ah, c'est traître les étapes de nuit ou au crépuscule. Sur
50, 4 gauche. Dans 4, droite. 50, sur crête. 150, 4 gauche. 50, sur crête. Dans long, 4, droite. 100, sur crête. 50, très long, 4, droite. 50, 5, droite. 50, long, 4, gauche. 4 gauche. 100, 5, droite. 100, long, 4 gauche. 50, sur crête. 50, épingle droite. Ouais, on a du mal à lire le. Faut que j'écoute le copilote. J'ai du mal à anticiper. 5, droite. Et là, on a du mal à voir le ce qui se présente à nous. 50, très long, 4 gauche. Bon, bah ça va, ce c'est très long. Alors, ça se referme un peu. Là. 4, droite. Dans long, 4 gauche. 100, 5, droite. 50, 3 à gauche. 50, sur crête. Dans 3 à gauche. 100, long, 3 à droite. 3 à gauche. Ouais, on ralentit de l'épreuve là. Arrivé. Voilà. Je vais vous reparler un petit peu de notre ami commun, enfin du moins pour la plupart d'entre vous. J'étais pas loin d'avoir tout le temps vert encore une fois. Franck, comme vous avez dû vous en apercevoir pour ceux qui suivent Franck Guillaume, un peu de confusion au niveau de sa communication. Initialement, il avait prévu de faire un direct, j'avais cru comprendre hier soir, suite à son voyage en Grèce, son retour, etc., nous expliquer comment allait évoluer sa chaîne. Et nous donner de ses nouvelles. 50, 4 gauche. Dans sa communication, il s'est planté. Il a fait un erratum dans lequel il disait on se retrouve vendredi soir à la date du 29-11. Sauf que le 29, c'est lundi qui arrive. Donc, confusion dans les dates, incompréhension dans le billet d'information. Il y a FunFan qui m'a mis la puce à l'oreille, qui a trouvé une info que j'ai pas trouvé moi, qui était peut-être sur le Discord ou sur le Twitter de Franck. Où ce week-end-ci, normalement, Franck va prendre le temps de faire un billet d'information à nouveau, où là, il devrait théoriquement poser une date avec une heure de quand est-ce qu'il reprend l'antenne sur Twitch, qu'on puisse voilà, le retrouver, prendre de ses nouvelles et puis échanger avec lui, qu'il nous donne ses projets pour la suite de sa chaîne. Parce que j'ai cru comprendre qu'il faisait. Enfin, on savait déjà tous qu'il faisait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il n'est pas si souvent que ça sur Twitch. Hein. Il est très occupé dans la vie. Mais apparemment, il prépare pas mal de choses dans sa coulisse à lui aussi. Voilà. Voilà pour les dernières mises à jour d'infos concernant Franck. Je vais pouvoir faire. Ah oui, de la tisane pour tout le quartier avec ça. Ouais, ouais, les petits bonus de la monnaie de chaîne. Les Berga, diminutif de bergamote. C'est pour ça que j'ai dessiné, moi, un losange jaune. C'est la friandise locale de ma ville. Enfin, l'une des friandises, mais c'est probablement la plus célèbre, la bergamote de Nancy. Ouais, t'en as déjà goûté Super Jojo et Bergamote? Bon, on aime ou on aime pas, hein, comme c'est à base d'agrumes,
Et puis, que, comme pas mal de friandises, droite. C'est quasiment du sucre transformé. Dans long, 4 gauche. Alors là, ça fait un petit moment que je n'en suis pas savouré de 3. Là, j'ai découvert en supermarché, je me suis acheté pour découvrir depuis le temps que j'en entends parler, les bêtises de Cambrai. Pour ce qui est des spécialités confiserie de mon île française. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est particulier, mais c'est bien. Ça existe. Mais. voilà, neutre. Je suis pas spécialement enthousiaste, mais je me réjouis à l'idée que ça puisse procurer bien du plaisir à certains. C'est ça son caractère, la bêtise de Cambrai, c'est sympa. Alors, ah, fin de la Suède. Wouah, j'ai carrément une minute d'avance. Je crois que c'est la première fois que j'ai un score aussi stratosphérique au niveau de la Suède. Ah ouais. Oh, c'est cool ça. Yeah. Bon, bah, la petite Citroën me réussit là. Ah, la suite. La Portugal. Lorsque le championnat du monde des rallyes débarque dans le pays le plus occidental d'Europe, toute la population prend son temps pour le regarder. Le championnat du Portugal se déroule principalement sur route de gravier au bord de la côte. À chaque virage ou ligne droite, les pilotes évoluent devant une foule de spectateurs. Oh, le monde. Ils s'agglutinent sur les bords de la route, débordant souvent sur la route elle-même. Moi, je serais tétanisé. Le championnat n'a peut-être pas révélé beaucoup de champions de rallye, mais le circuit est une réussite. Ouh, ça me donne envie ce que tu me décris de par chez toi, Cyberjojo. Je connais jamais entendu parler des Cuberdons. Cuberdons. Bonbons en forme de cône au goût de framboise et violette. En plus, c'est deux parfums que j'aime, surtout la framboise. Tiens donc. Ouais, avec la boîte originale, ouais, ça doit claquer dans ton échoppe, mon cher cousin. Ouais. En fait, les bergamotes, pour tout vous avouer, j'appelle ça aussi les attrapes nippones. Parce que jadis, dans mes soirées franco-japonaises, où on se mélangeait entre français et japonais, il n'y a rien de mieux pour pouvoir engager la conversation et faire copain-copain avec les japonaises. Ils proposent la spécialité confiserie locale et je me souviens d'une japonaise qu'on était accro. Et puis bon, j'étais sympa, je lui en cédais 4-5 quand on se voyait une ou deux fois par mois. Ça a son succès certain. J'ai plein de bons souvenirs avec ça. Ah là là. Ah ouais! Ah, faudrait que tu m'en parles, cousin. Je savais pas que tu connaissais les Cuberdons. Écoute, le nom, j'ai l'impression de le découvrir. Vas-y. Ça me dit rien du tout. Mais la description qu'on a faite de Cyberjojo, ça me donne vraiment envie de découvrir et de goûter. 150, attention, tour devant. Hop, 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 hop. Comment j'ai failli partir en tonneau. 50, 3 à gauche. 50, très long, 3 à gauche. Ah, après le Portugal, il y a l'Espagne. 50, 3 à droite. Et après, je crois que c'est la 50, on va en Amérique long, du Nord. Mais Amérique du Sud, j'ai des bêtises, je crois qu'on va au Chili. 100, et le Chili, c'est encore plus escarpé que la Corse. Que Monte Carlo, pardon, je dis n'importe quoi. 50, très long, 4, droite. Je me souviens du Chili de la semaine dernière. 3 droite. C'était vraiment vertigineux au point de devenir angoissant sur certaines portions de route. On a l'impression qu'on allait se jeter dans le vide à la sortie du virage. Long de gauche. 50, très long, 3 droite. Sur crête. 100, attention, tour devant. 50, 3 à gauche.
50, 3 droite, sur crête. Hop, 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 hop. Long 4 gauche, serré, sur crête. 50, 3 à gauche. 50, sur crête, dans 2 droite. Et 4 gauche. Non, non, non. Ma trajectoire était très mauvaise, je l'ai rectifié au dernier moment. J'ai failli finir dans le filet de sécurité, moi. 50, de gauche, sur crête. Par contre, ici, le paysage m'a plu. Long 4, droite. 4. Il y aurait des instants figés en pause, donc ça ferait des beaux tableaux, la composition de paysage. Ouais, j'étais brouillon sur la fin. Oh, pile 0-0, secteur 5. Oh, j'étais pas loin d'avoir tout en vert, là aussi. C'est dingue, dingue, dingue. Faut pas grand-chose. Hein. Alors. Oh, bonjour SDR. Je viens de voir que tu viens de débarquer. J'espère que tu vas bien. Alors, il faut être fou. Attendez, ah oui, vous avez beaucoup. Je pensais demander à l'adresse au sergent si je passe par là. Zex et Citron, mais original, originaire des Ardennes, pardon. J'ai pas mal d'amis belges. Ah bah oui. Oui, cousin, oui, maintenant que tu me le dis, ça me paraît évident. Olivier Mine, entre autres, non, je conne. Il faut être un fou pour être dans le public d'une course de rallye. L'accident, s'il est arrivé, oui. Alors, c'est ce que j'expliquais avant que tu arrives. Je vais faire un bref résumé. Dans les règlements et les procédures de sécurité de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, est toujours présidé par le français Jean Todt, Cocorico. Bref, parenthèse fermée. Dans les épreuves-là de rallye, tu as toujours, avant le départ de tous les concurrents, en début de matinée, tu as deux ou trois voitures qui passent, en fonction de la portance de l'événement, des voitures qui embarquent des commissaires de course. Elles sont toutes estampillées 0, 00 et triple 0. Et elles vérifient est-ce qu'il n'y ait pas des éléments de décor naturels ou artificiels, soit sur la piste, en encombrement, en obstacle. Et surtout, ils vérifient le respect des consignes de sécurité sur les bords de piste. Parfois, c'est balisé comme une scène de crime. T'as un bandeau qu'il ne faut pas franchir. Mais il y a toujours des nigauds qui en font à leur tête et qui se font déloger. Et je pense d'ailleurs même mis à l'amende. Je me demande si ce n'est pas des agents assermentés, certains commissaires de course, pour respecter les consignes de sécurité et qui se mettent à l'intérieur de certains virages, mais surtout pas à l'extérieur, là où le bolide évidemment peut déborder et partir hors de contrôle. Et c'est une fois au deuxième ou troisième passage des voitures estampillées 0 que la course peut être lancée, parce que tout le monde est bien positionné, tout est bien contrôlé, verrouillé. 3, ouais, voilà. 2, 1, vas-y. Oui, attention, c'est le ralenti qui reprend. Alors, que je vous lise. Attendez, je vais vous lire quand on va y avoir chargement de l'épreuve suivante, histoire qu'on perd pas trop de temps. Ah, quasiment 9 bornes. Pardon. Ah, elle fait une petite trotte, l'épreuve là. Je suis un frontalier. Passer mon week-end à Mont, on allait se faire plaisir à l'est de temps en temps. Ta-ta-ta, salutations d'usage entre vous. Oui, la voiture est dégueu, ouais. C'était encore pire, tu une scène. Le week-end dernier, j'avais une Subaru, une Impreza, et sans déconner, toute la plage arrière, mais elle était. On aurait dit qu'elle était faite de glaise et d'argile. Tellement qu'elle était crade, la bagnole. Mais c'est bien qu'ils prennent en gestion ce côté réalisme de la crasse et de la poussière. Non, j'aurais pas pu être le copilote de Sébastien Loeb, j'aurais eu la gerbe. Vas-y. C'est très physique, hein. C'est très physique, les rallyes automobiles.
C'est un entraînement d'athlète et d'ailleurs c'est ce qui a fait le succès de Sébastien Loeb. À la base, il se destinait à une carrière de gymnaste. Et sa préparation de gymnaste, je crois que d'ailleurs les doubles barres étaient sa spécialité. Et pour s'y reconvertir, je ne sais plus trop comment, il faudra lui poser la question à Sébastien Loeb. Très mauvais freinage. Il faut que j'écoute ce que dit mon copilote. Quand il s'est reconverti à la tuture, il a gardé sa méthodologie de préparation physique et mentale d'athlète de stade, là, de gymnase. Et la preuve que ça lui a bien réussi. Et je crois savoir qu'il y a pas mal de coachs et de personnes qui encadrent les pilotes internationaux dans cette discipline qui ont dû se calquer sur la méthode Loeb pour se préparer physiquement et mentalement. Non, c'est très très physique. Bah d'ailleurs, il a coopéré avec le Futuroscope de Poitiers. Et il a créé un salon expliquer qu'est-ce qui prouve un pilote et un copilote de rallye. Avec leur siège de cinéma sur Vérin, la spécialité du Futuroscope. C'est dommage, j'ai découvert le Futuroscope un an avant la mise en place de cette récréation, de cette salle-là. J'aurais adoré. J'en ai fait une petite avec du karting qui se passe en partie dans un village. Le film est très drôle. Je me suis éclaté, j'ai adoré. Mais le plus beau pour le Futuroscope de Poitiers, c'est le fait d'être un oiseau parmi les montgolfières. C'est d'une féerie, c'est magique. Je la referai volontiers, la salle-là. L'attraction de la montgolfière, faut le vivre. J'avais vraiment le sentiment d'être comme un oiseau. J'en ai des frissons quand je vous parle. C'est vous dire les émotions qui sont liées à ce souvenir. L'attraction est excellente. 50, de gauche. J'espère qu'ils vont la garder pendant longtemps, le Futuroscope de Poitiers. Si la vie me fait le cadeau de pouvoir y retourner. Hop. Waouh, là on va loin, ça tire tout droit. 50, de gauche, sur crête. Enfin, ça trace tout droit. Dans 4 droite et très long, 4 gauche, serré. Ah, je vais avoir plaisir à tenir SDR à l'arrivée. À l'arrivée de mon épouse. Dans 3 gauche, sur crête. 100, attention, saut devant. Ah oui, le saut a l'air énorme. Je vais freiner à la. Voilà, ça va avoir une bonne réception. L'importance de freiner au sommet histoire de répartir le poids de la voiture vers l'avant et surtout pas vers l'arrière en pleine accélération. C'est le meilleur moyen, de ne pas voir le point de chute et de louper sa réception. Je vais trop l'intérieur là, j'étais en mode tondeuse à gazon. Arrivé. Ouh. Ouais, correct. J'ai fini premier en plus apparemment. Ce que m'annonce le jeu. 3, 2, 1. Vas-y. Mais on s'en rend pas compte comme ça. Ouais. Non, ça se coule. Non, franchement, être copilote en rallye, ça doit être gerbe au trou. T'as intérêt à avoir vraiment les trucs bien accrochés. Et c'est un coup à faire, vous savez, la préparation des astronautes et des pilotes de chasse dans la centrifugeuse. Histoire de s'habituer à se prendre des jets, à se prendre X fois sa propre masse dans les forces réparties au niveau de son corps. Non, moi, à mon avis, j'aurais les intestins à la place des poumons et vice-versa. C'est le genre de truc... Je sors de là, je suis blanc comme un linge, je me suis vidé. Pardon, mais je me vois pas. Je suis pas manège à la base. Je suis pas un casse-cou comme garçon. Je suis préposé. Non, je pourrais pas. Franchement, je m'imagine même pas. Déjà ado, je pense même d'ailleurs que tu en as peut-être quelques souvenirs, cousin. Je pense à ma famille.
le fait d'être passager d'une bagnole quand j'étais ado, il pouvait m'arriver d'avoir la gerbe. Donc papa, maman, on s'arrête là, je... Voilà. Oui, merci pour le compliment pour les dérapages SDR, mais... 50. C'est... Dans la moyenne, je ne m'auto-critique même pas. Bon, j'ai pas eu de gros accidents. Il est vrai que le week-end dernier avec la Subaru, j'avais déjà fait à cette heure-ci au moins deux grosses sorties avec tonneau. Je suis un peu plus zen et je suis peut-être plus à l'aise avec la Citroën, en fait, la Xara. Ah, toi aussi, Zex de Citron, ta meilleure expérience, c'était le Futuroscope. Comme quoi, c'est vraiment une attraction à vivre. Très bonne remarque de ta part, SDR. La bonne vitesse. Ce que j'aurais presque reproché au simulateur, là, au WRC1, c'est de ne pas indiquer la vitesse de pointe observée dans l'étape et la vitesse moyenne. Ce serait des paramètres vachement intéressants, mais bon, c'est pas indiqué. Cette famille, je te rassure. Merci, cousin. Ah, voilà. Oui, alors, ne pas en vouloir à Romanus Calutus, mon cher cousin. Quand vous le saluez, hein, je vois que le SDR, t'as la gentillesse de saluer mon cousin. Mais s'il répond pas, c'est pas par mépris, c'est qu'il est commerçant et il est dans sa boutique. Donc à n'importe quel moment, il peut recevoir un client. Ce qui fait qu'il doit lâcher le direct et ouais, soyez pas surpris qu'il réponde pas. Le Futuroscope est un bon compromis entre expérience immersive et sensationnelle. Ouais. Non, mais franchement, ça m'a marqué. Je pourrais même plus dire en quelle année j'y suis allé. Il y a peut-être 5-6 ans de ça. Peut-être plus, je sais plus. Ouais, il y a peut-être 6 ans de ça que je suis allé à Futuroscope de Poitiers. Voilà. Cousin qui répond que maintenant. Bon, je reprends un coup. Cette fois-ci, je vais pas boire mon café au lait, mais je vais boire mon... Je vais préparer un sirop de fraise dans un bidon de l'air recyclé. Je rigole avec le bidon de lait parce que j'avais rapidement pointé le début de mon direct d'hier soir au moment d'aller me coucher et j'avais lu que j'avais influencé Olive à qui j'avais donné envie de boire du lait et de se faire un chocolat chaud parce qu'elle m'a vu me saisir de ma bouteille de lait. Je ne savais pas que j'étais influenceur à ce point. Ah là là. La seule fois où j'étais au Futuroscope, j'étais tout gamin et je me rappelle avoir adoré. Ah, tu m'étonnes. Bah, pour une attraction posée sans vérin hydraulique, là, pour le siège qui bouge, il y a l'astronomie qui est sympa aussi au Futuroscope. Il y a l'espèce de dôme intergalactique, là, la petite séance d'astronomie. J'ai trouvé courte d'ailleurs parce que j'adorais. Elle est bien, elle est relaxante. Je suggère même de commencer par ça en fait. Quand on connaît pas le Futuroscope, de commencer par l'astronomie qui est posée. Et après, vous montez crescendo dans les attractions à sensations plus ou moins fortes. C'est le plus agité, je crois que c'est un semblant de train fantôme où vous prenez des projections de flotte et il y a je sais plus quoi qui vous tombe sur la tronche. Bon, bref. 50, très long, 4 gauche. Dans 4, droite. D'ailleurs, je sais plus si sur place dans le parc d'attraction ils avaient. Est-ce qu'ils avaient balisé. Est-ce qu'ils avaient classifié leur salle en fonction de s'est posé ou ça se coule un peu. Je crois. 4, droite.
je crois qu'il y a l'indication, vous n'avez pas le droit d'être cardiaque. Il y en a même, je vous demande même si on a pas, vous n'avez pas le droit de porter des paires de lunettes. Parce que ça se coupe tellement que parfois vous pouvez les perdre. Et 3 à gauche. Je crois qu'il y a de ça sur les attractions les plus mouvementées, on va dire. Dans 4, droite. Enfin, je dis ça de mémoire, je dis peut-être 50, des âneries, je confonds peut-être avec un autre parc. Qui a rien à voir avec le Futuroscope. C'est possible. Bon, faut que j'arrête de sortir large. 150, de gauche. 50, attention. Dans long 4, droite. 50, long 4, gauche. Concentration. 100, sur crête. Dans 3, droite. 50, 3, droite. Dans très long, de gauche. 50, attention, dans 2 droite et 3 à gauche. Arrivé. Voilà. Yeah. Pas loin non plus d'être tout en vert là, encore une fois. Ah là 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 là. Alors, j'ai grand plaisir à vous lire. Qu'avez-vous écrit ? 2, 1, vas-y ! Alors, bien sûr, pour le côté immersif, c'est des attractions qui racontent une histoire. Ouais, très juste, Zexocito. Ouais, ouais. Alors, SDR, moi, c'est Space Mountain à Disneyland. Je suis jamais allé à Disneyland, hein, donc je pourrais pas dire. Mais je vois l'attraction, quand elle avait été lancée, il y avait beaucoup de communications de pub sur Space Mountain. Donc, moi, c'est Space Mountain à Disneyland qui m'a le plus marqué, je me rappelle. Avoir d'être allé ouais, au Futuroscope un jour. J'ai enchaîné l'attraction plusieurs fois de suite. Ah, t'es devenu accro. La dernière attraction dont tu parles, c'est la Vienne Dynamique avec le lutin qui te fait voyager à travers la région. À un moment, tu pilotes une F1, le délire. Ah, je m'en souviens pas. Ou alors j'ai loupé ça. Je sais pas. La vidéo de la simulation est dispo sur YouTube avec Frank Borg en rôle principal, énorme ça aussi. Ah ouais. Ah ouais, je suis surpris qu'il y ait la vidéo sur YouTube. Disons. Bon. Ouais, ils doivent s'en servir pour faire promotion du parc, je présume. Je présume. Hein. Je présume aussi que c'est le compte officiel. encore que. Bref. Je suis jamais allé à Disney, mais Space Mountain m'a toujours fait envie. Ouais. Ah, pas moi. Je vous l'ai dit, je suis posé, je suis pas casqué. Long 4, droite. Ça me ferait peur ce genre d'attraction. Ah, là, ma Citroën Xara, elle est moins crabe que la Subaru de la semaine dernière. Là, on voit encore la vitre arrière. Ce qui était pas le cas avec la Subaru. Même complètement à l'arrière, au niveau du spoiler arrière, elle était complètement marron clair. C'est quoi une baguette? Ah, tu ressors tes devinettes, Tinsen. C'est quoi une baguette avec une boussole? Une horloge. Voilà. Bon, bref, épreuve suivante. Un pain perdu. Ah! Ah là 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 là. Bah, je vais sauvegarder là tant que j'ai le réflexe, on sait jamais. Gravier 7, ok, blablabla, ok. Bon bah c'est parti. On va lancer la petite épreuve. Chibidi bidi, chibidi bidou. Let
Allez, go! Oh, c'est le crépuscule! Ouais, wow, il fait sombre! 1, vas-y! Sors, sur crête! Oh, j'aurais aimé avoir les phares supplémentaires là! 50, très long, 3 droite! De gauche, dans 3 droite, 50, attention, tour devant, dans 4 gauche, 50, 4 droite, 50, 2 droite, dans 2 gauche, sur crête, 50, 3 gauche, serré, dans épingle gauche. 50, épingle droite. 50, 3 à gauche. J'ai mal négocié le virage en étant. 50, 3 à droite. 50, sur crête. 50, de gauche. Ah, on voit un peu mieux là. Et long. C'était peut-être un point de montagne le. Le soleil était caché à mon avis, mais le jeu d'ombre bien luminosité est bien géré, ça fait vachement crédible. 50, merci. 4 droite, je vois un visage souriant, c'est bien. 50, 4 gauche, 50, pop, 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 pop. Ouais, serré le virage. Dans 5 droite, 50, 2 droite. On voit plus rien, il y a une éclipse. 50, sur crête. Dans épingle gauche. 50, attention, dos. Dans épingle droite. 50, en fait, quand il a dit saut, c'était surtout de pas être à fond en, sur la crête, le sommet de la courbe. Parce que c'est un coup à tirer tout droit 50, et à se prendre en, de face la butée derrière le virage. 50, sur crête. Hop, 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 hop. Dans 3 j'ai gauche, pas droit à être en mode tondeuse à gazon. 2 droite. 50, 3 à gauche. 50, 5 droite. Wow, le saut! Le 50, saut de la mort. Attention, j'ai voulu la tenter, j'ai perdu. J'ai voulu couper, j'aurais pas dû. Et il me remet pas sur la piste. C'est la caca. Alors attendez. Ouais. Là j'étais complètement désorienté. Alors la première grosse faute de la matinée. 50, j'aurais jamais dû couper. 50. Aïe aïe aïe. Du coup je finis 3ème. Bah ça va. Ouais, j'ai tout gâché sur la fin. Tant pis, j'ai joué, j'ai perdu. Comme on dit. 3. Tiens, en parlant 2, de jouer et de perdre, machin. Il y a un Vénard, j'ai vu dans l'actualité ce matin, il y a Vénard qui a emporté les, je sais plus, 170 millions là, de la loterie, je sais plus si c'est la loterie nationale ou européenne. Non, l'européenne, je crois que c'était l'euro million, je crois. Eh ben. Le Space Mountain est une tuerie, tout comme l'Aerosmith. L'Aerosmith est détruit pour avoir un coaster aux couleurs des Avengers. Dans 4 gauches. 50, 4 droite.
Disney Studios, il va y avoir une zone Avengers, Star Wars et Reine des Neiges. Eh ben. Bah, en parlant des parcs d'attractions avec la licence Walt Disney, là où on voit que le Japon est le pays de la mer, la version japonaise, le Tokyo Disney Sea, je crois le nom, Sea pour mer, ils sont en rivage et il y a beaucoup de bah, c'est le thème voilà, de la mer, des océans, et je crois savoir que dans la version japonaise du parc d'attractions, il y a énormément de jeux d'eau en fait. Ça m'avait marqué à l'époque où je regardais la télé japonaise. Et ils en parlaient de temps à autre et ça avait sa popularité, évidemment surtout auprès des jeunes. 50, long, 4 gauche. Pronostic. Alors pas de problème pour les anciennes attractions perdues, ils ouvriront certainement une autre extension du parc principal avec toutes les anciennes attractions et ils l'appelleront Disneyland classique. Vache. Ouais, c'est pas. Waouh, la sortie était violente, comment j'ai valsé dans le décor. Oh, il est déjà 11h. Le temps passe vite. Ibi, voilà une étape supplémentaire de boucle. Ah, j'ai mon nez qui me titille. Pardon, j'arrête pas de me tripatouiller le nez, mais j'ai un truc qui me démange. Oh, 11h30 pile. Décidément, c'est la matinée des chronos à double zéro. Ah, dernière étape. Faith. Ou Fafé. Je sais pas comment on prononce en portugais. Si je perds l'épreuve, je chanterai un fado. Les chants nostalgiques portugais. Alors, il y a Walibi près de chez moi. Et toi aussi, Cyber Jojo, je suppose que tu connais. Malheureusement, il a été dévasté par les intempéries qui ont lieu cette année. Ah ouais? Ah, je savais pas qu'il y avait eu des dommages dans ce parc d'attractions. Le Walibi Schtroumpf, là, je crois. Ouverture des zones entre 2022 et 2025, nous dit Twinsen. Pour le commentaire précédent avec Disneyland Classics. Pour 2 milliards d'euros. Ça fait fonctionner l'économie. 3, 2, voilà. 1. Vas-y, 50, sur crête. Dans frein, donc 3 à gauche. 50, 4, droite. Sur crête. 150, 4 gauche. 50, de gauche. Attention. Dans 5, droite. Sur crête. Dans frein, donc 3 à gauche. 50, épingle droite. 50, attention, sur crête. Dans 2 droite. 50, 2 gauche. 50, attention, sur crête. 50, 3 à gauche. 50, 3 à gauche. La voie est large. Droite et de gauche. C'est impressionnant. Dans, là. On pouvait être droite, à 4 de serré. Oh, le 50, public. Attention, sur crête. Dans 4 gauche. Et
3 droite. Dans 4 gauche, sur crête. Dans 3 droite. Et 2 gauche, 50. 3 droite. J'appréhende la dans le Chili. 2 gauche, 50. Mais droite. Après le Portugal, on arrivera dans juste à côté en Espagne. Gauche, on sera en région Catalogne. 50, long, 3 à gauche, sur crête, dans 3 droite. 50, 4, droite. 50, long, 3 à gauche, sur crête. 200, attention, tour devant. Hop 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 hop, je me suis fait peur. Arrivé. Je me suis fait peur avec le saut, j'ai cru que j'allais me réceptionner sur la rambarde. A mon avis, c'est pas passé loin. Là, j'ai eu un petit moment de stress quand même. Le final 3, de Fafé là, 2, de 1, l'étape est plus exigeant qu'on pourrait le croire aux premiers abords. Oui, au départ, c'était le parc Schtroumpf, mais ils ont changé de nom et de propriétaire droite. Plusieurs fois. Ah. Sur crête. Sur 31 hectares de Passy-Swinsen. Ce que j'aime bien avec toi, Swinsen, c'est que tu donnes des détails techniques. Chose que j'apprécie. Hein. Merci à toi. Oui, Walibi, très connu dans la région. Je vais devoir vous laisser, les copains. À la prochaine. Ciao, Cyberjojo. Merci de ton passage. Bon week-end à toi et une prochaine. À mon avis, je pense qu'on se retrouvera avec Franck la prochaine fois. Enfin, moi, j'espère. Bisous tout plein, à plus. Merci de ton passage. 50, et pas... Ok. Ah, vous êtes déjà 12. Waouh, merci d'être autant. 50, attention, sur crête. Vous êtes 12 cyber spectacle. 50, de gauche. Ouais, ça se coule. Avec caméra embarquée, c'est pas mal. 50, 3 à gauche. Il va y avoir un lac de 3 hectares dans la zone Reine des Neiges. Ça va être un sacré avantage en été, en canicule. Tu respires beaucoup mieux lorsqu'il y a un point d'eau avec l'évaporation naturelle. Ça va pas être de trop, à mon avis. Il y aura un avantage fraîcheur. Et cadre apaisant qui est le bienvenu. Très bonne idée d'implémenter un point d'eau assez large dans un parc d'attractions. Oui, à terme, ouais, ils vont racheter toute la, toute la maison, toute la région. C'est ça. Sur crête. Un nouveau département en France, le département Disneyland. Il va y avoir de ça. Ah, t'as observé les plans. Ok, ça va être pas mal du tout. Ah, je vois sur le Discord que tu me balances les photos, Vincent. Merci. Je me mettrai à regarder ça tout à l'heure à la pause déjeuner. Une fois que j'aurai rendu l'antenne. 200, attention! Oh, petit coup de café au lait, là, je vais changer. J'ai bien aimé le gros plan sur le filet de sécurité. Alors là, on arrive en Espagne. On va avoir la vidéo d'introduction de la Catalogne. Hop. Et un rallye de Portugal remporté. On voit que je me promène, c'est cool. Allez, zou, on file en Espagne. Après trois manches punitives, le championnat du monde des rallyes arrive en Espagne. Un pays réputé pour ses fiestas qui accueille à bras ouverts le carnaval de WRC. Les épreuves sont toutes sur asphalte autour de Lloret de Mar sur la Costa Brava. Le championnat a lieu dans la région catalane où la passion et la fierté des habitants est à la hauteur du désir de victoire des pilotes.
c'est parti pour l'Espagne. Le pays des bêtes à cornes. Je rappelle, les pavés dans le jeu de pêche, ça veut dire qu'il vous arrive une mésaventure, perdu, t'as pas de prise. Bien essayé, SDR. Ah là là. Je trouve que le chargement de l'étape est long. J'ai pas souvenir que le jeu me faisait poireauter autant de temps. Peut-être que le disque est un peu sale. Heureusement, il reste lisible, mais... Peut-être que la PlayStation s'y met à deux fois pour... 2, 1, vas-y. Pour lire les données sur le disque. 300, 2, droite. Sur crête, dans de gauche, 100, 3 droite, 4 droite. Alors ici, ils sont clairement avantagés ceux qui ont la meilleure motorisation. Hein. Là, j'ai l'impression de faire du grand tourisme, mais sur la spot, on est à fond. 150, de gauche. Dans 2 droite, 50, très long, 3 à gauche. Par contre, à ces vitesses-là, tu mords en dehors de l'asphalte. 50, long, de gauche. Ça pardonne pas. Dans 4, droite. Ah, un patelin espagnol. Et 3 à gauche. 50, t'as des gens droite, qui se disent espagnols, mais qui chantent pas du tout espagnol. 50, 3 droite. Un air d'opérette qui met bien mon papa. Dans 2 gauche. 200, et moi, droite. Je suis souvent la version canine. Il y a des chiens qui se disent espagnols. Dans 2 gauche. Bref, faut que j'arrête les abris. 150, très long, 4 gauche. Ah, il y a un léger brouillard hein, à l'arrière-plan. 50. On se croirait tôt le matin. Dans long, 3 à gauche. 50, 2 droite. Puis c'est la partie montagneuse de la Catalogne, donc c'est l'autre versant du Pyrénées. Enfin, je crois, si ma géographie n'est pas trop mauvaise. Arrivé. Ça retient l'humidité en fait. Voilà, un relief aussi escarpé, ça se voit. Ça se voit en arrière-plan. Ouais, correct. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Ouais, c'est la célèbre réplique dans la série française Palace. Ah, bon courage, Olive. Merci d'être resté aussi longtemps ce matin. Bon courage pour le boulot. Ouais, dur, dur. J'espère que tu vas pas trop en baver et puis que tu vas pas revenir trop cassé du taf ce soir. Merci tout plein. À la prochaine. Ciao, ciao. Alors pour ceux qui aiment bien tout ce qui est Skyrim de la saga The Elder Scrolls et les Sims en général, mais pas que, je vous suggère la chaîne d'Olive. Olive qui diffuse, elle diffusera demain. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ah, qui tente sa chance à la pêche avant de partir mais qui se loupe. 50, très long, 3 à gauche. Ah là 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 là. Non, je t'en prie, Olive, un plaisir. Bon courage. 3 à gauche. Ouais, pour le taf, il y a un peu du courage par moment. 4 droite. J'aime bien les smileys de côté. C'est rigolo.
Ah, bien, Zach the Citron. Bien, bien, bien. Oh, on voit qu'on est entre copains. On est des petites chaînes peinards qui tournent à max une douzaine dans les meilleurs des cas, des spectateurs. Lorsqu'on prend l'antenne, c'est sympa. Hein, moi, j'aime beaucoup le concept. Je suis aussi content de l'ami. Je le dis, j'ai un trou de mémoire. Bambastos qui se prête au jeu et qui élargit ses droite. Sessions de 2 à 3 heures de dans direct. Long de ça, gauche. C'est cool. En ce qui concerne Bambastos, lui, il fera un jeu d'horreur demain soir, lui, par contre. Je crois qu'il prend l'antenne à 17 heures. Donc, fin de l'étape. Je vais faire de la pub pour l'ami Bambastos au prochain chargement d'étape. Et après, je vous rebalancerai la pub concernant Olive. Ouais. Deuxième étape espagnole. Alors. Voilà, ça normalement c'est pour l'ami Bambastos. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui seraient intéressés. Donc le concernant, demain soir à partir de 17h, je crois qu'il prend l'antenne jusqu'à 20h, et il sera un jeu d'horreur, je sais pas lequel, mais il a annoncé qu'il fera un jeu d'horreur parce qu'il a atteint son objectif de 20 fidélisés à sa chaîne. Il a démarré il y a 15 jours, 3 semaines, à diffuser sur Twitch, et c'est vachement bien. Et lui aussi, on voit qu'il taffe dur dans la coulisse pour améliorer sa chaîne. Il a déjà son fond vert, il a des habillages magnifiques. Ouais, allez voir, ne serait que par curiosité, je vous invite à aller voir l'habillage graphique de Bambastos. Il a de qualité, j'ai pas compris s'il avait un graphiste attitré ou si c'est lui qui le faisait, mais il a des trucs vachement beaux. Et puis après, je vous fais la promotion d'Olive qui tue. Pour la prochaine étape. 50, très long, 3 à gauche. 50, 3 à droite. Dans 3 à gauche. Sur crête. 50, ah, il y a une gauche. Indication par rapport à mon chat. C'était une suggestion gauche. De je sais plus qui. Peut-être toi SDR, je sais plus. Dans long 4. Bah de tête, je peux vous dire. Alors Westbot autorise 50, la composition de listes, c'est-à-dire le dépôt de chaînes de caractères, techniquement parlant. Et je vous en ai programmé une qui va vous permettre de vous, que vous 50, fassiez vous, droite, des crête. Suggestions des jeux auxquels vous 50, souhaiteriez que je joue. Alors je vous rappelle que j'ai un petit PC de jeu, que j'ai la PS2 et potentiellement la PS3. 50, la PS3, 5, là, gauche. Dans les prochains jours, il faut que je m'assure de sa captation. C'est pas encore 50, le cas, mais ça viendra. Si vous faites point d'exclamation JAF, J-A-F, pour les diminutifs de jeu à faire, point d'exclamation JAF, suivi du texte de votre choix, alors idéalement le nom d'un jeu ou une suggestion disant j'aimerais mettre en place des jeux d'horreur, n'hésitez pas à me l'écrire, ça va se cumuler dans la liste que j'ai créée grâce à Wisebot. Qui est donc la liste des jeux à faire. Toutes les suggestions que vous souhaitez immortaliser, je consulterai de temps à autre et je vous dirai si je peux les faire ou pas. Et au niveau calendrier, quand est-ce que je les ferai à l'antenne. Donc voilà, une des dernières. Non 50, ah c'est horrible. Je suis mouru. 50, de gauche. L'angoisse de voir le bonus de partir hors de contrôle dans le décor. 50, de gauche. Bref, c'est un outil vachement pratique proposé par Westbot, des listes de questions-réponses là. Et c'est une des fonctionnalités 50, que j'ai mises à jour cette semaine en fait. J'ai mis ça au point cette 50, semaine. En quelques clics, c'est vraiment bien fichu. 50, long, 3 à gauche.
On ne pourrait pas se parler même de mémo bloc-notes. 50, en fait. Long, de droite. Il y a le même principe dans aussi en foire à questions. Point d'exclamation dans FAQ de suivi de votre question. S'il y a une question auquel je ne vous ai pas répondu en direct, que vous me souhaitez de soumettre, je cumule vos questions. Alors c'est valable aussi quand je ne suis pas à l'antenne. Hein. Mon chat va à Westbot, il est connecté à 24 à mon chat. Vous pouvez être de passage sur ma chaîne et dire tiens, je voulais poser la question au sage. Vous balancez votre question et moi je la récupère. Et de temps en temps, je jette un coup d'œil à mes listes pour voir s'il y a du nouveau ou pas. Et spontanément, je vous en reparlerai quand j'aurai repéré que vous êtes là sur mon antenne. C'est des outils vachement pratiques qui me permettent de faire un suivi. Et de pas décrocher et pas faire, j'ai envie de dire, de frustrer. Mais avant tout, en suivant ton exemple, tu suggères des jeux d'horreur. Est-ce que tu aimes le genre? Pas spécialement. Non, je passais... Enfin, les jeux d'horreur, seuls, je trouve ça bidon. C'est pas le genre de sensation que je recherche. Moi, dans le jeu vidéo, j'aime beaucoup le contemplatif. En partie, les jeux de voiture, j'ai l'impression de faire la traversée d'un pays, j'adore ça. Ou découvrir des cartes comme j'ai déjà fait sous Garry's Mod, comme je pourrais le faire. Bah, Duke Nukem 3D d'hier soir, je ne l'ai pas annoncé, mais j'ai téléchargé le pack des 80 cartes les plus célèbres faites par la communauté internationale, des fans du jeu, et je vais essayer de me frotter dans les jours à venir à faire ces 80 cartes-là. De temps en temps, on s'en fera une ou deux, par exemple. J'aime bien le côté découverte, contemplation, et puis bon, là, c'est mêlé à l'action du jeu. J'en reviens à la question jeu d'horreur. Peut-être que je serais amené à aimer le genre jeu d'horreur si je me rends compte qu'on passe des bons moments et qu'il y a des interactions marrantes quand je fais le jeu en public, entre guillemets, via Twitch avec vous. J'en parle parce que c'est déjà revenu plusieurs fois. Je sais qu'il y a une demande du public d'avoir des jeux d'horreur. Olive qui tue, là, qui est partie tout à l'heure au boulot, elle aimerait bien me voir faire des jeux d'horreur. Alors pourquoi pas? Hop là. Voilà, je lui fais sa pub, comme promis. Long, 4 gauche. 50, 5, droite. Oui, y'a pas de soucis, Zach de Citron. T'en fais pas. Mais le fait de ne pas interagir sur les chaînes Twitch, ça m'étonne pas. Moi, pendant des années, j'étais consommateur passif. C'est-à-dire que j'avais pas de compte. Et je tapais manuellement les chaînes auxquelles je voulais accéder et regarder en anonyme. Et je l'ai fait pendant des années, ça. Ça fait depuis... même pas 2 ans. J'avais ouvert mon compte Twitch en deuxième quinzaine d'août de l'année dernière. Donc ça fait à peine 1 an et demi et vous voyez, je diffuse déjà, donc si je me laisse prendre au jeu. Mais non, salutations à tous les anonymes hein, qui regardent, ceux qui sont discrets, qui, j'ai envie de dire, qui consomment passivement, mais tout à leur honneur, le contenu de la plateforme. Et ils ont bien raison, je comprends parfaitement ce mode de consommation. J'étais des vôtres jadis. Et j'ai succombé ensuite au côté obscur de la farce. On peut voir ça comme ça. Allez. Ah, fin du ralenti. Hop, suite. Troisième étape, je crois, ouais. J'arrive à la troisième étape sur les 5 de l'Espagne. Pardon, rototo, là, ça. J'ai mes boissons qui se calent dans le bide. Thank you.
Nous sommes tranquillous, nous sommes un samedi matin, tout va bien. Hop, 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 attention, concentration. Temps long de gauche. Voilà, je suis quasiment dans un canyon. Temps 4 gauche. J'aime bien le bruit de la motorisation de la bagnole. 5 droite. Temps long de droite. Descends 4 gauche. Temps 3 droite. Temps 5 gauche. Hop, 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 hop. 50, 5, droite. Mais je repense au côté technique 50, avec Streamlabs qui plante apparemment toutes les 3 heures, quand c'est pas avant. D'ailleurs, méfiez-vous, à partir de midi, théoriquement, 50, je serai peut-être sujet gauche. À un plantage. Mais parce que j'ai démarré l'émission à 9h. 50, sur crête. Il faudrait que je farfouille dans la quinzaine sur internet, 50, avoir les témoignages de ceux qui utilisent Streamlabs, qui sont peut-être acharnés à essayer de résoudre ce problème d'instabilité, voir si c'est parable, j'ai envie de dire. De là à le résoudre, je sais pas, mais. Là par exemple, j'ai tenté une subtilité aujourd'hui, c'est d'avoir démarré Streamlabs en lui donnant les droits d'administrateur sur mon Windows pour voir si c'est gage de stabilité. D'ailleurs, samedi ou dimanche dernier, je sais plus, la dernière fois que j'ai fait du WRC, donc la captation juste de la console, il n'y avait pas de jeu sur mon ordi, ce qui le déchargeait en puissance de calcul et en ressources. Il avait planté à la toute fin. De 9h à 13h, il avait planté à 13h au moment où j'allais rendre l'antenne. J'allais changer de plan de caméra. J'allais passer plein visage pour faire les salutations d'usage de fin de direct. Et c'est à ce moment-là qu'il a craché. Vas-y. Sans quoi, il était parti pour un premier sans faute. Mais c'est dommage en même temps, parce que Streamlabs a quand même ses charmes. Mais je ferai ce que tu m'avais dit avec le citron. C'est-à-dire de m'acharner à prendre les liens des effets spéciaux et les incorporer dans l'OBS d'origine. Simple, qui est stable et qui crache pas. Par contre, il faut que je change mes paramètres de diffusion sous OBS qui sont trop pixelisés, j'ai trop d'effets mosaïques et je vous envoie un signal trop faible qui fait boulis de pixel caca boudin. J'ai pas les mêmes réglages entre les deux. Faudra que je monte en gamme, surtout que j'ai la chance actuellement d'avoir la fibre. Alors autant l'exploiter, mais dans mon standard vidéo, je vais rester en 720p. Puisque je fais du rétro, j'ai pas besoin de la haute définition. Surtout que voilà, hein, vous voyez, j'ai le format 4 tiers pour le jeu et le restant du 16/9, c'est pour ma tronche et le chat. Tout s'imbrique parfaitement. Ah, les joies de la technique, je vous jure. Alors, ce qui me fait marrer aussi dans les habitudes françaises au sens large, hein, j'embarque aussi Cyber Jojo du côté de la Belgique. Je remarque aussi les habitudes des internautes et des cyberspectateurs. Il y a toujours un creux d'activité sur mon chat entre 11h et midi. Et ça reprend entre midi et 13h. C'est rigolo. Je sais pas, chacun qui prépare sa popo, il y a un coup de mouche, je sais pas. Ça, 50, je suis toujours amusé d'observer ça. Je suis en train de repérer les périodes d'heures creuses. Oh, puis les stats les plus dingues qu'on gère une chaîne, c'est quand vous archivez sur YouTube. J'ai découvert donc YouTube, le côté avoir un compte, depuis quelques mois à peine. Et c'est impressionnant la page des stats qu'ils proposent. Comme quoi on peut faire tout et n'importe quoi avec les données et les chiffres. Il vous propose des matrices entre l'assiduité de certains, quelle est la vidéo la plus regardée, quelles sont la liste de lecture la plus qui a le plus de vues.
Après, il fait des stats pas possibles sur je sais plus quoi, que j'ai même pas cherché à comprendre. C'est dingue, dingue, dingue. À bidouiller des trucs en direct non, sur mon Discord, mais on ne va plus. Je ne toucherai pas, je ne toucherai plus. Ah ouais, l'épreuve là, il pleut comme vache qui pisse. Alors, tu rebondis sur quelques sujets évoqués. J'essaierai de te recommander un jeu d'horreur qui correspond à tes goûts, surtout en termes de contemplation. C'est possible d'avoir ce type d'expérience sans que ce soit extrêmement stressant ou oppressant. Volontiers, mon cher Zeus Citron, merci. Je te répondrai le cas échéant si je peux le faire ou pas techniquement parlant. Comment dire
Si vous voulez voir ma config, hein, vous tapez point d'exclamation matos matériel dans le chat. Mais surtout, le bon conseil que je peux vous donner, c'est que vous savez que j'ai la PlayStation 2 d'opérationnel. Et sur Nancy, dans ma ville, j'ai la chance d'avoir plusieurs boutiques de jeux de cases, dont PlayStation 2. J'ai un gros... c'est pas un cache converter, je sais plus, c'est un cyber machin. Cyberzone, enfin bref, il a une collection, j'y suis allé une fois, il a une collection magnifique de jeux de cases à acheter, dont la PS2. Et j'ai 3 Micromania dans le Grand Nancy. Je peux m'amuser à écumer en une journée les 3 Micromania. Donc si vous avez une succession de jeux PS2, faites-le en point d'exclamation JAF pour jeu à faire. Vous mettez le titre du jeu. N'hésitez pas à mettre entre parenthèses ou crochet la plateforme hein, que j'ai moins à chercher si j'ai pas la référence. Et je verrai si je peux me l'acheter d'occasion. Pourquoi pas? Si je vois que je suis séduit par la description sur internet dans les bases de données en ligne du jeu en question, Resident Evil. Du coup, je vois pas de quoi tu parles. Il faudrait que tu développes, cousin, ton RES 7. J'ai l'impression que tu me parles de Resident Evil et le Village. Mais le Village, si c'est ça dont tu me parles, qui est le 7ème opus, je crois, je peux pas le faire puisque j'ai pas. Oui, c'est ça. J'ai pas la technologie pour le faire. Mais tu peux toujours me. Bon, là, je le fais pour toi, je le noterai. Mais mince, c'est la répétition du ralenti. Quand technologiquement je serai en possibilité de le faire, d'avoir le bon ordi et ou la bonne console pour plus tard, j'ai pas d'objection. Vous reviendrez à la charge en me disant « Eh oh, j'aimerais que tu fasses ça et qu'on se fasse une soirée ou une après-midi spéciale. » Enfin, plus une après-midi, je suis pas vraiment du soir. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui, j'ai pas la technologie pour, cousin, désolé. Alors, attention, 8 km et ça a l'air vachement... vachement quick. Vachement accidenté. Alors Streamlabs, je peux t'en parler. Très bancal à mon goût. J'ai commencé avec et j'ai fini par renoncer. Trop de problèmes non résolus sur le long terme. Ouais. Oui, bah peut-être moi aussi je vais finir par me débarrasser de Streamlabs et rester strictement sur OBS hein. C'est peut-être ce qui va se produire. Je vais peut-être d'ailleurs prendre le pas là, cette décision là pour le 1er janvier, en me disant ça n'a pas passé mes tests de phase dite bêta, de phase d'évaluation, et puis basta. Ah oui, mais ça j'en doute pas. Ça j'en doute pas. Je commence à avoir un peu chaud au crâne. J'en doute pas le fait d'avoir des bonnes frayeurs. T'as pas besoin d'avoir un truc photoréaliste pour avoir des frousses. Moi je me suis fait des frousses sur la petite fantômette bleue là. Le manoir aux mille pièces là. Le Scary Spooky Jumpscare. Que j'ai pas fini d'ailleurs. J'ai pas fini l'extension de la nuit. Il faut que je me le termine en antenne. C'est un jeu façon Wolfenstein 3D pour ceux qui connaissent. Ça fait très jeu des années 90. Je me suis fait des frayeurs. Honnêtement, je me suis fait des frayeurs dans le jeu là. Et oui, il n'y a pas besoin de photoréalisme pour avoir les chocottes hein. Ou poser une atmosphère de tension, de pression et de flippette. Alors ça là-dessus je suis déjà convaincu, tu prêches un convaincu qu'on me dit cette société. Attention, sur crête. Mais oui, je reste ouvert aux suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées à proposer. Dans 4, droite et 3 à gauche. 50, long, 4, droite, sur crête. Dans 2 gauche et 3 droite. 50, 4 gauche. Hop. 50, 2 gauche, dans 4 droite. Non, très long, 3 à gauche. Ah oui, très long, oui. Dans 2 droite, vache, 50, c'est un long, 5 long gauche. Virage. 50, 5, droite, sur crête, dans long, de gauche. Ah, il a une bonne motricité, une bonne reprise, la Xara, j'aime bien. 50, sur crête. C'est pour ça que j'arrive à faire des bons petits pronoms. Droite et 4, c'est gauche. Une vraie petite bombe, j'aime bien. Dans long, 3, droite. 50, épingle gauche, sur crête.
Dans 3 droite. Dans 5 gauche. Je repense à Jules d'horreur et j'en avais fait la promesse hier à SDR. Je ferai sûrement un petit jeu d'horreur avant Noël. Je me demande si je vais pas vous faire Slender 2. Le Slenderman. J'avais déjà essayé un peu le premier du nom qui est gratos là. Il faut trouver les 7 ou 9 pages. Et j'étais mauvais. Mais le peu que j'ai testé le 2, fonctionnait. Je l'avais testé 5 minutes pour voir s'il se lançait. Et ça fonctionnait très bien. Donc il est probable que je fasse ça avant les fêtes de fin d'année. J'ai mal lu le décor. J'ai cru que la route allait tout le temps. Je me suis rattrapé de manière très acrobatique. J'ai loupé mon dérapage. 50 sur crête. 150, très long, 4, droite, serré. 50 sur crête. 100, de gauche, sur crête. Dans 3 droite. 100, ça dit 3 droite. Ça dit quoi? 200, long, de gauche. 20, je vais reposer la coiffe là en attendant. Swing, swing, swing. Ah, je finis premier quand même. 3, 2, 1, vas-y! Alors, pas besoin d'avoir grosse console pour faire une bonne frayeur. Oui. D'ailleurs, à la captation de ma PS3 prochainement, je pense que je me remettrai au Resident Evil, qui est un mélange un petit peu horreur et pas mal action. Sinon, je crois pas que j'ai pas des jeux strictement horreur sur la PS3. Mais c'est pas le contenu qui va nous. Tour devant! Oui, OBS, c'est moins usine à gaz. Oui, j'ai remarqué aussi, il est moins gourmand en ressources. Ouais. Alors, un jeu que je recommande pas parce qu'il a mal vieilli, c'est Phantasmagoria. J'en ai entendu parler, j'ai déjà vu des extraits. En point and click, ouais. Qui était efficace pour l'époque, mais qui l'est plus maintenant, ouais. Non, je le ferai pas, le Phantasmagoria. Tu me fais penser, il y a une suggestion d'Aeroster qui a dit un jeu d'horreur, mais qui a une violence psychologique et une empreinte forte. Je crois que ça se passe dans un asile d'aliénés, c'est. Je sais plus le nom du jeu. Il l'avait dit à Aeroster, enfin, je lui redemande la question. Il y a un jeu à peu près de la même époque qui laisse pas indemne. Il est très prenant et il est très oppressant. Je sais plus, enfin, je redemande la référence à Aeroster. Tout dark comme jeu d'horreur. Ouais, je sais pas si je connais. Ah, Fear, j'en ai entendu parler de Fear. Mais techniquement, je crois pas que je puisse y jouer. À moins que vous me fassiez la démonstration que Fear est sorti. En plus, je crois que c'est une trilogie, non? Peut-être que vous parlez du premier opus. À moins qu'il soit sorti sur PS3. Éventuellement, peut-être à l'occasion, si je peux le trouver pas cher, à 10-15 euros maxi. Peut-être que j'achèterai d'occasion Fear, on verra. Dans 3 droites. Mais vous voyez, attendez. Je vais mettre en lumière mon propos. Là, par exemple, je reprends le propos de Twinsen. Jeu à faire, Jaff, Fear. Entre parenthèses, PS3 pour interrogation. Voilà, l'info va être enregistrée dans ma liste. Comme ça, je pourrai le consulter après. De la même époque de quel jeu de la même époque, je sais même plus. Mince. Phantasmagoria, de la même époque du jeu d'Aeroster dont j'ai oublié le nom, qui se passe dans un asile d'Albion. Épingle droite, 55 gauche. Et sorti sur PS3. Merci, Twinsen. Dans
Dans mais il faut sauver des gens dans le noir, j'ai un vague souvenir. 50, long, épingle gauche. Ok. Ah, ouais, mais PC, alors oui. Oui, je pense bien que Fear est sorti sur PC, mais mon ordi ne le gérera pas graphiquement. J'ai une modeste 710 GT en ce moment. Et le fait d'acheter un nouvel ordinateur pour le jeu, c'est pas pour maintenant. Ça arrivera plus tard, mais pas maintenant. Mais je suis déjà tranquille, hein, je vous dis, avec les petits jeux sur PC, j'en ai pas mal à vous faire. La PlayStation 2, rien que ça. La PlayStation 3 qui arrive par derrière, que j'ai bien blindé en jeu. Je crois qu'il me reste à peine 3-4 gigas sur ma PlayStation 3. C'est dire à quel point je l'ai blindé de jeu. J'y toucherai plus. On a du contenu. J'en ai pour des centaines d'heures à jouer avec vous. Un régal. Tu as l'image de Too Dark si besoin. Oui, bah merci, c'est une scène. Je reverrai avec toi dans la coulisse si... voilà pour le côté technique, voir si au niveau des droits il est abandonware, je sais pas quoi, machin. Fear était sorti en 2005, ok, merci pour l'info. Oui, pareil, le Too Dark, je l'ai pas noté, mais le Too Dark, je vais le. Attendez, je vais sauvegarder ma partie. Hop, sauvegarder, tac, championnat. Et au chargement de la prochaine étape, je vais rajouter votre Too Dark. Au moins que je perde pas l'info. Oui, je remporte le rallye d'Espagne, cool. C'est tout bénef, je me promène, tranquille. Chili. Argentine, pardon. Mais je vais avoir les chocottes, vous allez voir, c'est terrible. L'Atlantique vers un autre pays hispanophone. L'Argentine offre à peu près tous les types de terrains possibles en compétition. Depuis de vastes régions reculées et poussiéreuses, jusqu'aux routes de montagne qui serpentent vers les nuages. N'importe qui ne peut pas survivre au beau milieu de la Pampa. Et la même loi s'applique aux pilotes du rallye d'Argentine. Ouais, les chevaux, n'importe quoi. En voyant le cheval, il y a une étape, il y a quelques années, du Tour de France qui a failli mal tourner. Parce qu'il y avait un cheval qui s'était barré sur la route. Il avait sauté de son enclos, un truc comme ça. Pris de panique et de stress, dans l'euphorie générale. Allez, tout de go, Argentine. Alors, l'Argentine va me stresser. Très escarpé, très dangereux, vous allez voir, on va avoir des phases vertigineuses. 2, 1, vas-y! Dans 1 droite, 50, 4 gauche, 50, 1 gauche, dans 5 droite, 50, 2 gauche, 50, sur crête, dans 3 gauche, 50, 3 droite, 50, long, 2 droite, 50, 3 droite. Dans 4 Non, j'ai renversé ma bagnole. Vous voyez, j'ai trop mordu sur le côté, je me suis renversé. Ah, ça commence déjà. Dans 3 gauche. Ah, pile 0-0. Elle est bonne celle-là. 50, 2 droite. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. 50, 2 droite. 100, de gauche. 50, 3 droite. 100, 1 gauche. 50, 3 droite.
50, de gauche, serré. Dans 4 gauche. Par moment, le paysage fait presque nous-mêmes. Arrivé. Ça y est, t'as compris le principe de la commande Tunsen. Alone in the Dark, bah, tu te souviens que FunFan l'avait fait. Je sais plus si t'avais déjà découvert sa chaîne à ce moment-là. Parce que normalement, il a archivé sous YouTube, sous sa chaîne YouTube, Alone in the Dark. Peut-être que je le ferai moi aussi, allez savoir, je sais pas, je me prononce pas honnêtement. Mais tu fais bien de le noter, Tunsen. Ouais, on va revoir ma sortie de piste là quand 50, je me renverse. Long, de droite. 50, d'ailleurs, droite, les barrières en Argentine sont moins rassurantes. Que les murets en pierre sèche en tout ce qui était en France, là, Monte Carlo et Corse, ça m'angoisse presque plus leur barrière blanche. Mais enfin, bon, c'est les spécificités du pays. Oh, va déjà être midi, le temps passe trop vite. Ouais, à mon avis, dans une grosse heure, je couperai le signal. Tout dépend à quelle vitesse je finis le rallye d'Argentine. Est-ce que je fais le rallye suivant? On verra en fonction de l'heure. À mon avis, si je démarre à midi et demi la suite, je m'arrêterai à midi et demi. On verra. Quitte à faire une petite session de bavardage de 5 minutes en fin de direct avant de l'antenne. Arrivé! Et ben voilà! Hop, allez, deuxième étape! J'ai encore serré les fesses à mon avis. J'appréhende ce pays, j'appréhende. Ouais, là pour une fois que je suis pas clairement en tête. Pluie gravier. Tiens, hop, petite pub pour l'ami Zex de Citron. Alors Zex de Citron qui désormais diffuse les mercredis de 21h à minuit et quelques. Et là, dernièrement, j'avais plaisir de suivre tes aventures dans un Metroid. La saga Metroid. Alors, depuis tout à l'heure, je me dis que le pilote et le copilote ressemblent à des serial killers avec leur cagoule blanche. Ouais, mais je sais, ça fait... T'as l'impression qu'on est dans un jeu de braqueur, de vilain garnement. Mais c'est les fameuses combinaisons inifugées, là, en cas d'accident. C'est des combinaisons de survie, en fait. 3, 2, 1, vas-y! 50, 4 choses! J'ai pas spécialement réussi mon départ. 50, 1 droite. On va pas très loin. 50, 4 choses! C'est stressant. Oh, je t'en prie, c'est que de 6 points de rien. J'aime bien faire la promotion. 50, 3 droite! 50, pour que certains trouvent du plaisir à continuer à suivre. Ce serait dommage de rester dans l'ignorance. Ah pardon, je vais me concentrer là. 50, 3 droite. Dans 3 à gauche. 50, 2 droite, serré. Et long, 2 gauche. Épingle droite. 50, sérieux, hein, ce pays me stresse dans le jeu. 50, 4 gauche.
J'aurai un capteur cardiaque, à mon avis, vous verrez mon cœur battre plus vite que la normale. Je suis nerveux. Temps, 3 droite. Temps, 2 gauche, serré. Temps, 3 gauche, 50. 2 droite. 50, 1 gauche. Temps, 2 droite, 50, sur crête. Dans 3 à gauche. Il n'y a pas un diffuseur français qui s'est amusé à s'acheter des gadgets de son cardiaque et il diffuse en temps réel ses palpitations par minute. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à ça. Arrivé. Il faudrait que je m'amuse par curiosité à regarder comment ça fonctionne, ce genre de truc à la noix. C'est là où plus tard je vais vous mettre, rien que pour les jeux d'horreur, mes palpitations cardiaques. Ce serait gadget, 3, mais ça me ferait rire. 2, 1, ça me ferait rire. Vas-y. Ils me font penser au perso de Counter-Strike. Ouais. Ah, peut-être qu'un jour, je ferai aussi un petit Counter-Strike. Je crois que j'ai acheté le Condition Zero, je crois, le nom. C'est le plus célèbre, le plus populaire. J'avais joué un petit peu, une soirée, ça m'a bien amusé. T'enregistres déjà en supposition le deuxième opus alors que je ne serais pas intéressé au premier. Non. Mais tu fais bien, Tunsen, tu fais bien. D'accord, 3 droite. D'accord, 2 droite, serré. Et long de gauche. Je vais faire fun fan qui parle anglais. La vanne est bonne, elle est prise. Elle est prise. Ah, peut-être que j'aurai un moment l'occasion de solliciter fun fan à improviser une traduction plus qu'hasardeuse dans la langue de Shakespeare. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un jeu en soi. Je le conçois parfaitement. Temps, 3 droite. Méfie-toi, Tunsen. Il pourrait ne pas tarder à se manifester parce que là, on est aux alentours de midi et c'est à peu près à l'heure à laquelle il se réveille en ce moment, le canaillou. Je serais pas surpris de le voir débarquer quelques minutes avant la fin de ma prise d'antenne. Oui, aussi, cousin, oui. Oui, bah, bonne app, hein, si tu. Tu observes ta pause déjeuner d'ici 5 minutes si je te loupe, et moi je te souhaite le meilleur. On se retrouvera en privé tout à l'heure, mon cher Romanus Caillutus. Après l'heure de la popote. Ah, fin du ralenti. Je sais déjà plus. Oui, bon appétit à tout le monde. Ouais, merci, cousin. Romanus Caillutus. Résultat épreuve 2. Ah, si, je vais peut-être enchaîner avec le rallye suivant. Et seulement après, je rendrai l'antenne. Ça va, je vais un petit peu déborder au-delà de midi. Ouais. Je pense que ça me fera arrêter raisonnablement vers midi 40, ce qui me va très bien. Surtout qu'au niveau miam, j'ai quasiment que du réchauffé à me faire. Où je me mange un restant de viande avant que ça devienne périssable. Un restant de pizza et de la salade. Ça reste compatible. Bien dosé, je pense que je vais me remplir la panse peinard pépouze ce midi. Voyou. Vas-y. Deux droite sur crête. Dans trois droite. 50, long, 4 gauche. 50, 3 droite. 50, 5 gauche. 50, 5 droite. 100, 3 droite.
dans 3 à gauche. 50, 3 à droite. Attention, sur crête. Dans 4 gauche. Je ne cesse de faire attention. 4, droite. 50, 4 gauche. Et long, 3 droite. 100, très long, 4 gauche. J'ai l'air de pas trop mal m'en sortir apparemment. 50, 3 droite. Je sur vois prête. Le vert du chrono intermédiaire. 100, 3 droite. Dans 3 à gauche. 100, attention, saut devant. 50, attention, saut. Hop, 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 50, hop, hop. Attention, ah saut. 50, long, épingle droite. Ne prends pas de raccourci. 50, attention, sur crête. De la vie. Dans très long, 4 gauche. Car précipice. 50, long, 3 droite. Dans très long, 3 gauche. 50, 3 droite. Dans 2 gauche. Sur crête. 50, 4 gauche. Il est midi. 100, sur crête. Bon appétit. Et je commence à avoir le ventre qui gargouille, rien que vous pensez. Arrivé. Combien? Je sais pas si je le ferai le... Oui, voilà. Tu t'es planté dans la syntaxe. Je sais pas si je le ferai le Dead Space. Je l'ai vu. Je l'ai vu en... 3, quelqu'un y 2, jouait. 1, Surtout, je crois qu'ils ont fait un... ils l'ont mis au bout du jour, là, ce qu'on appelle les remasters, avec des textures, plus haute définition. C'est un classique du genre, le Dead Space. Je sais pas, honnêtement, il m'a pas spécialement emballé, le Tunsen. Tu vois, celui-là, je sais 50, pas si je le fais. Tu fais bien de le noter, hein. Mais, 50, je sais 5, pas si... 3. On verra. 3. On verra. Si par exemple d'autres personnes que toi sont enthousiastes à dire ouais Dead Space, Dead Space, que je vois que ça revient de manière redondante, bah, je finirai par m'y plier. Mais tu vois celui-là je suis pas spécialement chaud. En tant que spectateur, il m'avait pas vraiment emballé. Je trouvais l'histoire pas idiote. Je vous dévoilerai pas l'intrigue, mais ouais, deux, sans plus. 53. Alors, Zex de Citron qui nous dit Dead Space, c'est un de tes favoris. Ah ouais, je l'ai tellement joué qu'il en a perdu toute saveur. Mais je me demande s'il existe des modes qui rendent des gameplays plus complexes. Je serais incapable de répondre à cette question. 50. Attention, alors, à l'inverse de Twinsen, qui a peut-être 50, des informations long, à ce sujet. Épingle droite, ne prends pas de raccourci. J'aime bien le ne prends pas de raccourci. Ça a été une des rares fois où on entend la réplique du copilote là dans le jeu à dire ça. J'aime bien avec la musique. Je n'ai plus de café au lait, j'ai fini ma tasse. J'ai plus qu'à carburer au sirop de fraise. Oui, il me reste... Je sais pas si on entend. Il me reste un petit fond de flotte pour la fin du direct, c'est bien. J'aurais juste eu ce qu'il faut. J'ai bien calculé mon coup. Attendez, je vais sauvegarder ici, on sait jamais. Les ghouls et les fantômes, je connais pas du tout. Ghouls and ghosts.
Ah, je connais pas du tout la référence. Alors là, tu vois, pour peu, je vais essayer de pas regarder le Ghoul and Ghost. N'hésite pas à me préciser si c'est sur PC ou PS2, PS3. Et ça pourrait être une pure découverte. Ah, je connais pas le Ghoul and Ghost. Ah ouais, énorme, très complexe. Bah ça pourrait être une bonne surprise. Écoute, là tu me le vends avec enthousiasme, Zexo Citron. Encore une excellente suggestion de Twinsen. C'est un jeu d'horreur dans sa difficulté. Ok. Alors du coup, quelle plateforme? PlayStation 2, 3 ou PC? Si vous pouvez me le préciser, s'il vous plaît. Attendez, change ma coiffe sanglier. J'ai loupé mon lancer, c'est tombé au sol, elle va être cracra. Bien fait pour ma gueule. 3, 2, 1, vas-y. Ah ouais? C'est un jeu pour 50, les acharnés. Bah on dans verra juste où j'irai, je sais pas. Ça, vous m'intriguez, c'est bien, vous me demandez bien le truc. 50, sur crête, dans épingle droite. 50, épingle gauche. Sur Mega Drive. Dans 5, oh, c'est ma console favorite. 50, c'est la console 4, de mon adolescence, la Mega Drive. 50, ah, c'est bien. Sur mais le 50, problème avec 5, la Mega Drive, sachant que j'ai pas été titulaire du jeu original. 50, de droite. Côté légalité, dans ça me. 3, gauche. Ça me met dans la gêne. 50, 3 droite. Je ne vois pas émuler 50, la Mega Drive sur mes directs. 50, long, calme, droite, ouvre. C'est pas légal, ça me met mal à l'aise. Mais... 50, 4 crête, dans épingle gauche. Mais je sais qu'il y a eu des compiles sur PlayStation. Il y a eu des compiles des classiques des autres consoles, dont la Mega Drive. Je sais plus comment ça s'appelle, droite, c'est des arcade serré. Collection, je sais plus. Un truc du genre Sega Arcade Collection. Pourquoi pas, à l'occasion éventuellement. 100, long, de gauche. 50, sur crête. Hop, 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 hop. Ah là, je fais pas des bons chronos, là, je suis trop bouillon. 50, 3 droite. Attention, sur crête. 50, arrivé. La fin du stress. Ah, c'était l'avant-dernière épreuve. Ouf, courage, j'en ai plus qu'une et après je suis débarrassé de l'Argentine. Ce sera derrière. 3, 2, 1. C'est PC. Vas-y. Ok, d'accord. C'est un jeu que je ferai en défi 2 heures perdu d'avance. Et c'est vraiment un jeu à faire. Ah ouais. Du coup, ta démonstration m'intéressera à l'avenir. C'est pour la case. Ouais, j'ai joué à Mega Drive Mega Collection mercredi soir. C'était après ton départ. Ah ouais. Ah merde, j'ai loupé ça. Dans 5, ah, je croyais que t'avais fait du coup la soirée complète sur Metroid. Et je te confesserai que j'ai pas regardé la suite. Ton tardi fusion, j'ai pas pris le temps. Mais ça viendra sûrement dans la quinzaine. Je vais aller vérifier si GNG se trouve dans le catalogue. Ok, ouais, le Ghoul et Golem Ghost. Si je prononce bien, il est les fantômes. Ouais, merci, ok. De gauche, 50, long, 4, droite, ouvre. Bonjour aux arrivants, je vois que ça bouge sur la chaîne. Salutations à vous. Ah, je reste à l'antenne encore une bonne demi-heure, je pense. Et puis après, je comprends. 100, très long, de droite, serré.
J'ai envie de dire, heureusement que j'ai quasiment que du réchauffé à faire en miam à midi. Sans quoi, j'aurais dû me faire un plat entre guillemets sophistiqué, composer ma popote dans les fourneaux, que j'aurais coupé juste après l'épreuve suivante d'Argentine. Mais là, 50, je peux pousser un petit peu la diffusion. Surtout que pour le moment, on touche du bois, mon Streamlabs n'a pas sauté. Est-ce qu'il va me faire comme la dernière fois au moment de faire les salutations d'usage en basculant sur ma tronche en plein écran en des plans? Vous allez voir que c'est à ce moment-là que ça va lâcher. T'inquiète, pas besoin d'aller voir la suite en redit. Je préfère les conversations en direct. Oui. Non, puis c'est moi, tu sais, en plaisir de. Histoire de me faire une présence. Wally, Walou. Ah, je crois savoir chez qui je vais vous mettre en relais de chaîne tout à l'heure. Je viens d'avoir une annonce, une alerte qui me plaît bien. Mais on verra ça tout à l'heure. Ah, il est pas dans la collection du jeu Mega Collection. Dommage. Dommage, dommage, mais merci pour la... pour la suggestion. Je savais pas que c'était un jeu qui se distinguait et qui est visiblement réputé vu l'enthousiasme avec lequel vous me témoignez de son existence sur ma chaîne. Merci tout plein. Allez, courage. La dernière étape Argentine. Et j'ai envie de dire, j'aurais mangé mon pain noir pour cette session de jeu aujourd'hui. Perdu SDR à la pêche. Pas de bol. C'est une réplique perdante. 3, 2, 1, vas-y. Épingle droite. Oui, t'as la poisse ce matin au jeu de la pêche, ouais. J'ai remarqué. Contrairement à hier soir où le jeu, de manière évidemment totalement aléatoire, était plus généreux. 50, de gauche. Il avait eu une belle prise hier soir, le Kiki. 50, il avait eu un garçon du Danube, je crois. 50, long, de gauche. Il y a des noms très originaux de poissons d'eau douce. Vous le verrez au fur et à mesure que vous les pêcherez. J'ai fait des découvertes en programmant le jeu de pêche. Droite, droite. En me basant, je le rappelle, sur la liste de Wikipédia. Le sacro-saint Wikipédia. Là, faut surtout pas que je meure. Sinon, je suis un homme mort. 50, de droite. C'est pas vertigineux, ça, comme étape? 50, ça nous en met plein la vue. Ça, c'est l'angoisse. 100, de gauche, serré. Toute faute est mortelle. Dans 4 gauches, ouvre. 100, 4, droite. 50, 3 à gauche, sur crête. Je souffle un bon coup pour désangoisser, en fait. Pour relâcher un peu la pression. 50, 4, droite. Non, non, là, sérieux, vous avez vu le paysage vertigineux qu'on nous offre? Je serre les fesses, là, j'appréhende vraiment. Ouais, bah, navré d'être dans le rouge, mais j'ai les chocottes. Hein. L'Argentine, je maîtrise pas. C'est 50, pas épingle droite. 5, de la mort. 50, 5, 100, 3 à gauche. 50, 3 à droite. 100, 4 gauche. Apakakakakak. 50, sur crête. Ah, je finis en mode auto-tamponneuse. Mince. 100, 4 gauche. Oh, c'est pas fini. 100, 4 droite. Sur crête. Dans 3 droite. 50, 4, droite.
Dans 4 gauche. 50 sur crête. Oh là là. 50 de gauche. Et 5 gauche. Dans 2 droite. 50 de droite. Arrivé. Oui. Fini de l'Argentine. Fini. Voilà, piètre résultat, je finis même deuxième, vous voyez, alors que je suis en facile. Non, non, c'est pas ma tasse de thé, l'Argentine. Bon. 3, je suis content que ce 2, soit derrière moi. 1, oula, tu m'en as mis une tonne. Twinsen, des suggestions de jeu. Limbo, j'en ai entendu parler, je sais plus ce que c'est. Inside. Ah, Little Nightmare. Alors, Little Nightmare, ouais, que tu as fait, Zex the Citron, il est beau. Mais y jouer, je sais pas si j'aimerais y jouer. Tu vois, autant je l'ai vu, Little Nightmare, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Graphiquement, dans l'ambiance, il est superbe. Mais de là à y jouer, le petit cauchemar, je m'y vois pas y jouer. Ça m'emballe pas, en fait. Ah, la série Evil Within, que j'ai vu, le 1 et le 2, qui est très beau, qui est bien. Je crois qu'il est compatible PS3, du moins le 1, je crois. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Oui, je pourrais m'y frotter. Bien que je connaisse toute l'intrigue et tout le scénario. Ouais, je dirais pas nous. The Evil Within, le mal intérieur. Ouais. J'ai fait le premier, le jeu m'a beaucoup fait rire, mais c'est parce que je suis érodé par les jeux d'horreur. Mais c'était un bon moment quand même, ouais. C'est bien comme ça. On raffine un peu au niveau de tes goûts. Ah ! Alors le laisser pour mort 2, figure-toi que j'ai testé le 1 il n'y a pas longtemps. J'ai testé le 1 il y a 15 jours, 3 semaines de ça, sur mon antenne. Le 2, je sais pas si je l'ai acquis, peut-être. Mais le 1 déjà, je vous referai le 1. Le 1, j'ai beaucoup ri. Mais c'est une ambiance de malade. C'est un rythme de fou furieux. C'est un carnage, c'est un gros défouloir le laisser pour moi. Ouais, le 1 je vous le ferai, non, tu le sais. Le 2 peut-être, à la suite peut-être, on verra. Ouais, ouais, bonne suggestion. The Evil Within sera plus intéressant à jouer que les Resident Evil PS. Je pense aussi, ouais, je pense aussi. À voir. Je sais plus du coup, vous me l'avez noté le. Non, vous m'avez pas noté le. Ah, si, c'est bien, Twinsen. Tu m'as fait le Jaff, la série Evil Within. Si, c'est bien, c'est noté. Ça va être dans le listing. Bien, bien, bien. Oui, laissé pour mort, du gros plaisir à jouer à plusieurs. Bah, peut-être, si certains d'entre vous ont le jeu. Moi, je l'ai sur PC, sur Steam, laissé pour mort. Éventuellement, à l'occasion, vous pourrez se retrouver et je diffuserai en même temps. Pourquoi pas? Ça peut se programmer, ça. Ça peut se programmer. Oh là là, les plans de caméra aériens sont flippants en Argentine. Waouh, ça manque. Sans déconner, rien que le ralenti m'angoisserait presque. Waouh, oui, j'en ai des frissons là. J'en ai des chocottes. De voir la vue aérienne de l'épreuve. J'ai les Left 4 Dead et le dernier Back 4 Blood. Je connais pas Back 4 Blood. D'accord, à plus, bonne cotisation, bisous, Zex the Citron, merci de ton passage et de tout ton clavardage. Tout est écrit dans le chat. Merci tout plein, bonne cotisation, bon week-end. Ciao, ciao. Alors, Twinsen, tu me précises que Limbo est un jeu en 2D en noir et blanc. Ok. Je vais sauvegarder ma partie là. Hop là, hop là. Tac, on continue. Et la suite, je sais plus c'est quel pays la suite. Après l'Argentine, c'est quoi? Je suis agréablement surpris de remporter le rallye d'Argentine. Moi j'étais pas parti pour, mais bon, tant mieux. Alors l'autre pays, je sais plus c'est quoi. C'est pas Chypre. Ma mémoire m'aura pas trahi, c'est Chypre. À
présent. Donc je fais Chypre aujourd'hui et puis en 5 étapes et puis après je rendrai l'antenne. À mon avis, on sera pas loin de 13h, il sera peut-être même carrément 13h. On entendra une dernière fois le coucou. Et avec un peu de chance, Streamlabs n'aura pas craché. Et Inside est une sorte de suite. Ah ouais. Ah, tu me l'apprends. Merci tout plein. D'accord. Pour les pilotes, ça ne va pas être des vacances. Allez, c'est parti pour Chypre. Chypre, je pense que ça devrait théoriquement bien se passer. Ça m'a pas spécialement marqué quand j'ai fait le rallye de Chypre la semaine dernière. Je pense que ça devrait être gérable. Et je suis à un tiers du contenu du jeu en fait, parce que des rallyes, il y en a 16 je crois. 16-18 rallyes différents, c'est bien, on en aura fait 5-6 là aujourd'hui. Ah, c'est cool. Ça colle du bonheur. Oula, tu m'as bombardé de messages sous Discord, Twinsen. Ton compteur, il est à 10 de mon côté. 3, 2, 1. Je vais me faire un plaisir de lire tes références tout à l'heure. Sur crête, dans 1 droite. Ah, j'aime bien le décor de. 200, attention, saut devant. Sur crête. 100, long, de droite. 50, attention, saut devant. 100, attention, saut devant. Dans 3 droites. 50, sur crête. Dans 5, gauche. 50, de gauche. 50, de droite. Dans 3 à gauche. J'aime bien la 50, teinte de couleur 3 droite. Attention, sur crête. Du terrain. 50, 3 à gauche. 50, 2 droite, sur crête. 50, attention, saut devant. 50, wow, sur crête. Ouais. Joli le relief. 50, ça me saut plaît, devant. Là. Ça fait sacrément tout beau, là. Dans 4, droite. 50, 1, gauche. 1, arrivé. J'ai la prétention d'avoir tout en vert, là. Parce que je me suis promené. Voilà, la classe. Wow, stratosphérique, mes chronos. Cool. Ah, oh, je suis content. Je démarre très bien la Chypre. Cool. 3, 2, 1, vas-y! Pardon, je me ravitaille, je bois comme un goré. Mon Burke, j'ai du sirop de fraise plein la barbe, Burke. Faudrait que je me fasse une petite toilette tout à l'heure avant d'aller déjeuner. Donc j'anticipe un petit peu la fin de mon direct d'ici 20-25 minutes. Je vais très probablement vous faire un relais de chaîne tout à l'heure chez Nounours. Il a pris lanterne, Nounours 60. Je crois qu'il est dans sa semaine spéciale God of War. Pour ce qui est de l'agenda des copains, ce soir je vous invite à aller voir la chaîne de l'ami FunFan. Je sais plus ce qu'il fait, mais il prendra l'antenne à 21h. Vous n'aurez donc pas d'épisode commenté, puisque je suis absent ce week-end. Hein, je profite de la famille. Attendez voir. Ouais, voilà pour la pub de la Mi Fan Fan. Il prendra l'antenne ce soir à 21h. Demain, dans les suggestions que j'ai à vous faire, demain vous avez donc Olive qui tue, dont j'ai fait la promotion tout à l'heure, Olive qui tue. Pas avec
pas avec des tirets, hein, avec des underscores au niveau de la syntaxe de son pseudo, Olive qui tue. Elle fera sûrement du Skyrim ou des les Sims ou je sais plus quoi. Elle tombe sur 3 jeux en ce moment. Elle prendra l'antenne dès le matin, c'est une matinale comme moi, Olive, c'est ça qui est classe. Quoi d'autre que je peux vous suggérer? Il y aura l'ami Bambastos TV. Bambastos TV. Demain à 17h, il se lancera dans un jeu d'horreur. Bambastos TV. Demain 17h, jeu d'horreur. Et voilà, pour en gros la pub des copains. Pour ma gouverne, moi je reprendrai l'antenne que samedi prochain dans une semaine. Ouais, ouais, ouais. Pas hésiter à aller voir Fun Fan. Alors je cite de tête les copains, hein. J'espère que j'en oublie pas, pardon, hein, sans enfance. Mais en gros, pour les agendas dont j'ai connaissance, voilà à peu près ce qu'il en est. 3, 2, 1. Vas-y! 50, 1 gauche, dans 1 droite, et 1 gauche, 50, épingle droite. Ah oui, c'est très enlacé déjà pour la chute. 50, 4, droite. C'est déjà plus délicat que l'étape précédente. Dans 3 à gauche. Descends, 2, droite. Wow. 50, 2 gauche. Ah, ils ont des lumières. 3 droite, serré. C'est vachement bien fait déjà pour l'époque et ça me perturbe. Dans 5, droite. 50, sur crête. Le point de freinage a pas merdé. Oh, c'est large ici. 50, 1 droite. 50, 3 à gauche. Dans long, 3 droite. 50, 3 à gauche. 50, 2 droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. 50, 2 droite. Sur crête. Dans 5, gauche. 50, 5, droite. 50, 2 gauche. Le chrono a l'air d'être bon. Ouais, ça sent bon au niveau du chrono. Dans 4, droite. 50, 1, gauche. 100, 1, droite. 1, bon rythme. Ah, presque tout en vert, presque. Oui, c'est bien, merci pour 3, faire les rappels écrits, 2, SDR. 1, merci tout plein. Vas-y. C'est pas tout droit, c'est réglé. Et puis cette obligation au repérage du circuit. Oui, bah quand tu te la joues au pro, tu fais en solo contre la montre avant de refaire connaître ta partition par cœur de tête. 50, 4, 3. Et refaire de manière impeccable en mémorisant le parcours. Le tracé de manière officielle, on va dire, de manière chronométrée. Ne pas se tromper dans les notes, ultra précis, un truc de fou. Oui, d'ailleurs, c'est même intéressant de, pour ceux qui l'acceptent, parce que certains planquent jalousement leurs notes. Il y a certains copilotes, parfois dans les émissions de Eurosport, là où les canaux sportifs automobiles, c'est intéressant de jeter un coup d'œil parfois à des notes de certains copilotes. Ils ont chacun leur code. Et c'est un truc de fou. C'est très particulier. C'est vraiment une discipline à part, là aussi. Ça, c'est charme. Dans long, 3 droite. Ah, il va déjà être midi et demi. Elle est un fouille, Tempest Faggot.
Imagine Fun Fan en copilote où on voit le GPS. Aïe. Ça devrait arriver être une scène, je pense qu'il se fait honteusement soudoyer par des offices de tourisme. Parce que tu ferais vite le cours plusieurs fois avant de trouver ton point de chute. Ça parle mal. Ah là là. Mais il n'y a pas une marque ou un modèle de GPS qui s'était distingué par le passé, parce que tu pouvais télécharger et insérer des voix. Et il y avait certains qui avaient carrément fait une captation des voix de personnes célèbres. Du genre, je dis n'importe quoi, par exemple le regretté Bernard Tapie, tu pouvais l'avoir en voix GPS, quoi, un truc de un truc de fou furieux. C'est la première fois que je vois le smiley de sourire de Franck sur la chaîne. Ça m'a surpris, c'est rigolo. Et pire, si tu le fais en anglais. Ah oui, non mais là, t'es pas sorti de l'auberge si tu le fais dans la langue de Shakespeare. Ouh là là. Voilà, midi et demi. On le voit à l'horloge. J'ai le ventre qui gargouille. Ouais, je vais miam miam miam. Je vais me mettre à table à mon avis pour 13h15, je pense. Le temps de rendre l'antenne et de réchauffer mes trucs. À mon avis, à 13h15, je suis à table d'ici 3 quarts d'heure. Ouais, il est bien le smiley de Franck. Vas-y. Alors, pardon, concentration. 50, 5, 3. Oh! Oh la vache! 50, épingle gauche. Wow, il a pas du tout aimé que je morde dans le bas-côté. 50, 1 gauche, dans 1 droite. Alors là, je me suis laissé surprendre. 2 droite, dans 5 gauche. Fallait surtout pas mordre. 100, 1 gauche. 50, 5, droite. Ouais, ça en jette. Là, c'est un barrage, là, c'est pas 50, possible. 5, gauche. 50, 4, oh, gauche. Mince, je me suis encastré dans le muret en partant. 50, en partant, 3, droite. Sur crête. 50, 3, gauche. Dans 2, droite. 50, 2, droite. Le ciel est très beau. 50, épingle gauche. Hop 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 hop, t'as pas intérêt à louper ton freinage. Finalement, c'est peut-être pire que la que l'Argentine. Là. Non ! Mais j'ai cru qu'elle 50, allait y aller. Épingle gauche. Instant frisson. 5, droite. Dans 5 gauche et 4 droite, dans 5 gauche. Hop, 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 hop. On va éviter de faire toboggan en façon 5, 5, droite, bobsleigh. Dans 5 gauche parce que et là... 4 droite. Soupir. Dans 4 gauche et 2 droite. 50, 3 gauche. Dans 3 droites. Arrivé. Dur. Dur, dur, dur. Oui, c'est ça, 80 sautes dans le ravin. C'est complètement ça. t'as tout bien résumé la situation. Ah ouais. 3, 2, 1. Vas-y. Alors là, à mon avis, le ralenti niveau son pesant de cacahuètes. Déjà, le paysage est beau. J'ai même pas vu, il y a même des effets d'ondulation de la chaleur, la dissipation. Ouais. Non, bah ma grosse sortie de tout à l'heure, là on va la revoir en caméra extérieure, à mon avis. L'image, le plan va valoir le coup. Dans un gauche.
Pardon, je fais mon tir au toto. À gauche. Dans deux droites. Épingle droite. Ah, on voit que mon freinage n'était pas assez prononcé et trop tardif. 55 droite. Dur. Dur, dur, dur. Là, je partais façon bobsleigh. Comment je dégomme les panneaux? Je donne des heures de boulot supplémentaire au commissaire de course, je dégomme tous les panneaux. Et voilà, le plongeon. Alors là, c'est presque même dommage qu'ils aient fait la vue intérieure. Je pense que ça aurait été plus significatif en vue extérieure, mais c'est pas grave. C'est anecdotique. Voilà. Et là, c'est le drame, ouais, c'est ça. Aïe, 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 aïe. J'en suis... D'accord, j'ai fini l'étape 3, on va passer à l'avant-dernière. Ouais. Alors, j'enlèverai l'antenne avant, avant 45. Allez, go. Oui, j'étais proche de l'arrivée, mais bon, voilà, quoi. Ça faisait partie des derniers virages en lacets, et ça m'a été fatal, pour le coup, quoi. La grosse faute, hein. Mais on l'a vu, j'étais limite. Là, j'aurais pu basculer avant. C'était vraiment juste. Là, c'était une question de centimètres, là, pour que le point de gravité de la bagnole bascule dans le vide. 3, 2, 1, vas-y! J'aurais pu écoper d'un chrono au final catastrophique. Dans 2 gauche et 1 droite. Dans 3 gauche. Dans 3 droites, sur crête. 55 gauche. Dans 5 droites, sur crête. 54 gauche. Épingle droite. 50, 1 gauche. Wow. Là, je vois pas le bout de la route, donc forcément j'appréhende et je freine. 55 gauche. 50, j'ai beau avoir les indications gauche. Du copilote, ça me suffit pas. Dans 4 droite sur crête. Et 5 gauche. Dans 4 droite. 50, 3 gauche, serré. Dans 5 gauche. 50, 4, droite, 50. Attention, tour devant. 50, 2 gauche. Ouais, j'ai tracé un peu trop. Je me suis laissé piéger par l'inertie emmagasinée dans la tuture. 100, 2 gauche. J'ai failli faire un coup droit dans le décor. 5, droite. Sur crête, 50, 3 à gauche. Ah, pareil, je déborde. J'anticipe pas assez mon freinage. 50, alors, je pourrais 4, faire une 3, reprise plus rapide en intérieur de virage qu'en extérieur. Serré. Ça se voit nettement à l'image en fait. 50, 2 droite.
dans 3 à gauche. Oui. Est-ce que j'ai vu de l'animation 50, du poisson, t'as une belle prise. 50, 3 à droite. Je crois que c'est toi, mon cher SDR. Ah, arrivé. Tu as eu un éperlan d'Europe. Yeah. Ouais, ça va, ouais, non, finalement, mon étape a été correcte. Surtout la deuxième portion où je gagne 8 secondes. C'est cool. Voilà, il reste plus qu'une étape, et puis après, je rendrai peinard l'antenne. Voilà, je ferai le passage au relais chez Linux. Alors, petit détail technique dans ma coulisse de Twitch. Quand je vais faire le relais de chaîne vers Nounours, comme je ne dois pas utiliser le navigateur pour que Streamlabs ne plante pas en même temps, j'aurai pas le retour du son de Nounours, mais je me connecterai dans les 2 minutes qui suivent après mon relais de chaîne, le temps de tout fermer proprement de mon côté. C'est seulement après que je lui dirai coucou que j'entendrai son propos. Donc il va sûrement me poser la question sur quoi t'étais machin et tout. Je pourrais pas lui répondre dans les 2 premières minutes. Ça va être mon petit souci pour les relais de chaîne. Ouais, j'ai mieux géré la course, ouais, ça se voit, ouais, d'après toi. Oh, merci de ton point de vue. 55, gauche. La poussière vole, hein. La poussière vole. 50, 3 à gauche, serré. Dans 5, gauche. Une petite citation 50, célèbre. 4, je crois que le White Boy, je l'ai programmé pour qu'il balance une citation célèbre toutes les 3 heures. Je crois que c'est un truc dans le genre là. Gauche. Elle est mignonne l'abeille. En gros plan, j'ai trouvé vachement bien dessiné. Sur crête, 50, 3 à droite. La question que je me pose avec Streamlabs là pour dans quelques minutes, c'est de voir s'il va pas crasher comme la semaine dernière quand je vais basculer sur l'autre plan. Au pire, je vous ferai un relais de chaîne à l'aveugle. Ça posera pas problème. D'ailleurs, je vais anticiper le temps qu'il me charge la dernière épreuve qui fait moins de 5 bornes. Oula, qui est très... Oula là, c'est très 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 enlacé. Je vais faire que des successions de... Ah non, non, t'inquiète pas, les emotes, tu les balances. Je fais même pas gaffe. Je les vois légèrement du coin de l'œil, mais non, t'inquiète pas. J'arrive à y faire abstraction. Non, non, n'hésite pas à balancer. Sinon, je retire hein, si ça m'enquiquine. Mais c'est pas le cas, non, tu peux t'amuser. Voilà, je prépare la commande pour balancer le raid dans 5 minutes. Ouais. Voilà, je m'étais retrouvé comme ça la semaine dernière. Si tu veux, j'ai plus mon retour vidéo. Je me retrouve devant mon logiciel de chat, là, dans le presse lunaire. L'écran principal devient vierge avec juste un message d'erreur, une petite fenêtre Windows qui me dit que Streamlabs OBS a crashé. Et il me laisse le choix entre minuit, est-ce que je veux continuer à diffuser et à émettre à l'aveugle, entre guillemets, sur la fenêtre principale, ou si je veux tout couper. Donc après, dur dur quoi, pour voir ce qui se passe sur le net. C'est une sensation très désagréable. On est conscient qu'on diffuse, mais on ne sait pas ce qu'on diffuse. En fait. On n'a plus le retour à contrôler.
c'est pas top. 1 droite et 2 gauche dans 5 droite. Attention, tour devant 50 sur crête dans 2 droite et 3 gauche dans 4 droite. Oh, oh là, oh la montée, le virage. Dans 1 droite. Attention, tour devant. Ah, le soleil. Dans 1 gauche, 50, 4 gauche. Je suis ébloui par le soleil. Oh, mon coup n'est pas bon. 1 droite et je perds de la motricité, je trouve. Tour devant, dans 3 droite et 2 gauche. Dans oula, 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 hop, 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 j'ai foncé l'intérieur, je perds du temps. Je suis brouillon, je finis dans le décor, tout va bien. Droite. Hop, hop, hop. Attention. Dans oh, là, 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 là. C'est pire que les cordes de France, là. Même le mec célèbre Mont Ventoux n'est pas aussi chaotique que je sache. 50, 4, oh là là, le chrono c'est la cata. Ah, on a atteint le sommet. Dans ça grimpe plus. 3 gauche. On va scoltiner l'autre versant. 50, waouh, là il y a de la profondeur dans le paysage. 50, épingle gauche. Épingle gauche. Dans 4 épreuve exigeante. Qui me recrée concentration, c'est pas que je me tais. 3 gauche, 50, 4 droite. C'est pas de l'attaque. Dans 4 gauche. 50, 3 droite. Sur crête. 50, 3 gauche. 'En oh, l'état de la voiture. Arrivé. Ultra poussiéreuse. Wouhouhouhou. Wouhou. Oui, il m'arrive d'écouter 3, les conseils du 2, copilote. Pas 1, toujours. Vas-y. Mais quand j'ai vraiment un problème de visibilité, dans que j'ai visibilisé dans le sens que droite, je vois pas beaucoup la portion de route qui arrive. Parce que je suis en butée, en côte, ou etc., ou j'ai un virage trop serré. Je mémorise et j'écoute ce qu'il me dit. Donc je vous fais la causette, mais ça m'empêche pas de mémoriser, d'écouter ce que me dit le copilote. En plus de l'indication en haut de l'écran, ou quand on voit les panneaux qui s'affichent, je sais à peu près comment jouer la partition. Mais ça n'empêche pas de partir à l'erreur, hein. Il y a des subtilités de tracé qui sont prêtes, hein. C'est vraiment bien fichu. Dans 1 droite et 2 gauche. Bah, parfois je suis même en désaccord avec ce qu'annonce le copilote. Quand il dit par exemple droite 3, donc troisième rapport pour une droite, parfois je me dis bah non, je peux passer en quatrième, donc plus de punch. Même si je dois repenser ma sortie du virage là pour enchaîner sur un autre truc. Ou le contraire, c'est-à-dire que je trouve qu'il est trop confiant. Et je rétrograde parce que je la sens pas, quoi. Ou je pars trop large parce que je maîtrise plus mon véhicule. Ça peut se produire aussi, ouais. J'ai pas toujours été d'accord avec le copilote, ça m'arrive. Il m'arrive de contester. Et encore, je crois que j'aurais pu descendre plus bas dans le dérapage incontrôlé. Bon, bah voilà. Ça se finit tranquillou, ça aurait été ma session de jeu. C'était bien hier avec du Clickem en plus, c'est bien, ça m'aurait fait du bien. Maintenant je vais profiter de la famille. Moi je vous retrouverai en ce qui me concerne samedi prochain, je pense dans la matinée. Ou ah non, je dis des bêtises. Samedi prochain, à mon avis, je prendrai l'antenne l'après-midi. Parce que je vais essayer de faire l'enchaînement, un truc du genre 15h-20h. Pour enchaîner tout de suite après avec la soirée commentée avec Renfan. Enfin, 21h, il prend l'antenne à 21h le samedi. On verra. C'est peut-être ce qui va se produire. La dernière fois que je l'avais fait, ça s'était bien passé. C'était vachement sympa le relais de chaîne. Le problème, c'est qu'il faut que je m'organise en conséquence pour manger bien. Pas manger déséquilibré et correctement. Tout en assurant le fait d'être la voix off pour Renfan. Mais quand je peux me faire des petits apéros dînatoires ou dans le jardin, ça peut être sympa. Ou d'ici là, on aura peut-être un apéro live du samedi soir avec Franck, on va le savoir.
on verra comment ça va bouger. Alors, il faut pas que je me loupe et que je sauvegarde ma progression. Alors, je l'ai fait au début de l'antenne. Non, mais je t'en prie, un plaisir pour le direct, mon cher SDR. Merci à toi d'avoir été présent et toujours autant dynamique sur le chat. Voilà, je vais sauvegarder la partie. Voilà. Voilà. Comme ça, hop, je vais préparer le raid chez Nounours. Hop, j'envoie la pâtée. Je vais voir si je peux changer de plan. Est-ce que Streamlabs me fait un caca nerveux ou pas? Attention. Il a pas planté. Là, par exemple, je suis une sortie propre. Voilà, donc bisous tout plein. Merci d'avoir été là. À plus. Si j'essaye de remettre le générique, à mon avis, il se passe rien, mon truc est pas au point. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Hop là. Ah là 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 là. Hop, on voit les icônes qui reviennent. Bon, le raid va se faire. Merci encore SDR, merci tout le monde. Zex de Citron, il y avait Twinset pour toutes les infos, merci. Merci, merci cousin Romanus Caiutus, j'en oublie, pardon. Bambastos aussi, qui était discretos, comme on dit en lurk. Merci tout plein. Bon week-end, prenez soin de vous, on va chez Nounours. Ciao, ciao. Je rejoins Nounours dans 2 minutes sur son chat. C'était cool. Merci les copains. Et ça arrivera sur ma chaîne YouTube plus tard. Dans la semaine. J'archive avec quelques jours de décalage. Pour ceux qui veulent voir la rediff. Allez, chorégraphie de fin. Au revoir les copes. J'ai balancé le raid, j'ai pas le chrono. Je sais pas. J'ai l'air idiot. On dirait que je fais un sprint. Bah alors, ça bascule. Ah. Adieu.